Pour cette matinée, voici les thématiques qui vont être abordées. Donc, l'innovation technologique et emploi, quel métier, quel futur pour l'emploi des jeunes et des autres générations? Transition numérique, des opportunités d'emploi et pour qui? Travail de recherche sur l'usage du numérique par des bénéficiaires de l'Hospice général et un sondage qui a été fait sur la fracture numérique également. Donc voilà, nous aurons aussi la chance de clôturer cette matinée avec une synthèse de tout ce qui se serait dit, discuté, échangé durant cette matinée avec notre dessinatrice Anne-Raphaël Sandoz qui illustrera en image cette synthèse de la matinée. Voilà, entrons maintenant dans le vif du sujet en accueillant notre premier intervenant, Monsieur Jérôme Cozendet. Directeur roman et responsable de recherche en politique sociale chez Avenir Suisse, qui vient tout juste de publier un article sur la réinsertion des personnes en situation d'invalidité et sort aujourd'hui également un article intitulé Cibler la formation continue, réponse aux évolutions du marché du travail. Monsieur Consondet, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Madame Vilena pour cette introduction. J'ai un rôle un peu particulier aujourd'hui. On aura l'occasion, avec les orateurs qui suivent, d'avoir des exemples très concrets de ce qu'implique l'évolution technologique dans le quotidien. D'accord avec Madame Vilena, moi je vais un peu planter le décor, je vais un peu prendre du recul pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour le marché du travail dans son ensemble, et puis prendre un petit peu de recul aussi pour voir, dans une dimension historique, comment les évolutions technologiques, pas juste le numérique, ont impacté l'emploi. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Madame Villain, vous pouvez juste me dire si ça voit, enfin, donner un retour si c'est bon. Oui, c'est parfait. Parfait, super. Alors, je commencerai par cette image un petit peu vieillotte. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être cette peinture de Jean-François Millet, Les Trois Glaneuses. Elle a été faite en 1857, à une époque où l'agriculture était encore le pan principal ou dominant dans l'économie. En Suisse, on a environ la moitié de la population à cette époque qui travaillait dans l'agriculture. Et avec le changement technologique, avec la mécanisation, on a réussi à optimiser ces processus d'une agriculture de subsistance qui a permis non pas de nourrir les familles qui étaient actives dans les champs, mais aussi de nourrir les commerçants, les artisans des villes, des villages, et du coup de permettre aussi un certain essor économique. Si on pense technologie et emploi, si je regarde ces trois glaneuses, j'ai regardé les chiffres, malheureusement, je n'ai pas jusqu'en 1857, mais jusqu'en 1870. Le revers de la médaille de cet effort technologique de l'agriculture, c'était la suppression de 370 000 emplois, comparé ça à la ville de Genève. Donc, la mécanisation dans l'agriculture a coûté le job à beaucoup de personnes. Là, je l'ai donné en chiffres absolus. Si vous regardez sur le graphique, vous voyez qu'on est passé de près de 45% à moins de 3% de la population active. Donc, on pourrait avoir un regard très négatif sur cette évolution technologique. Si ce n'est que, je vous apprends pas grand-chose, que la population suisse, dans le même état, à la même durée de temps, a énormément évolué. On avait environ 2 800 000 personnes à la fin du 19e siècle, et pour aujourd'hui, une population d'environ 8 millions d'habitants. Donc, on voit qu'effectivement, le changement technologique a profondément changé un pan de l'économie primaire, l'agriculture, mais qu'en contrepartie, on le voit tous les jours, l'économie, elle, s'est bien développée et a créé de l'emploi ailleurs. Alors, est-ce que le cas de la mécanisation était quelque chose de particulier parce qu'on s'adressait aux personnes du secteur primaire? Est-ce que dans le secteur secondaire, on voit la même histoire se répéter? Vous voyez ici une analyse internationale, donc pas juste la Suisse cette fois, où on voit que les pays qui sont les plus innovants, ici illustrés avec cet indice de l'innovation de l'université de Cornell, on voit que les pays qui sont plus à droite, donc qui sont le plus innovants, ce sont les pays qui sont le plus en bas, donc les pays qui ont le taux de chômage le plus bas. Donc visiblement, être à la pointe de la technologie, encourager ou adopter les nouvelles technologies, ça se crée certes dans une réduction de la masse d'emplois dans certains secteurs, mais ça se compense visiblement dans d'autres secteurs, vu que le taux de chômage est particulièrement bas. Peut-être moins
théorique, puis un petit peu plus anecdotique. Si vous pensez à la robotisation, à tous ces gadgets, quels sont typiquement les pays qui viennent à l'esprit ? Moi, je pense toujours au Japon. C'était déjà très tôt ceux qui avaient les jeux électroniques. Je pense à la Corée du Sud avec ses robots de chaîne de fabrication. Et si vous regardez ces pays-là, justement, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, pensez à ces chaînes de montage, que ce soit chez Volkswagen, que ce soit chez Audi, où dans le temps, il y avait beaucoup de mécaniciens, de soudeurs, d'électriciens qui faisaient ces assemblages de voitures. Aujourd'hui, c'est complètement automatisé. Et pourtant, ce sont les pays avec le plus bas taux de chômage. L'Allemagne, pour la petite histoire, dans le secteur de l'automobile, on comptait il y a 10 ans environ 700 000 personnes actives dans ce secteur-là. Aujourd'hui, ce sont 800 000 personnes. Donc, malgré ces chaînes robotisées de production, l'automobile en Allemagne joue un rôle dans l'emploi encore plus important qu'il y a 10 ans en arrière. Bon, ça, on a parlé de la mécanisation dans le primaire. On parle ici de la robotisation, de l'arrivée de l'électronique dans le secteur secondaire, dans l'école bleue. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle, du numérique ? La crainte est qu'on passe dans un autre système. On ne parle plus de menace de l'emploi pour l'école bleue, on parle de menace de l'emploi pour l'école blanche. La Suisse, vous le savez, on est essentiellement un pays qui se caractérise par son industrie secondaire, donc les assurances, le tourisme, les banques, tous les services en soi. Et donc, si on a cette révolution du numérique, on peut s'inquiéter de la situation de la Suisse à terme. Il y avait une étude qui a été faite par deux professeurs, Frey et Osborne de Harvard, en 2013, qui avait fait une étude sur l'impact du numérique sur la façon dont ça va changer le profil des jobs. Elle avait fait beaucoup parler d'elle parce que ces deux auteurs prévoyaient la disparition de 47%, donc près d'un job sur deux, aux États-Unis. Alors, la structure économique est légèrement différente, mais un job sur deux qui disparaît au numérique, ça devrait laisser des traces, ça devrait laisser des traces aussi chez nous. L'étude a été publiée en 2013, 8 ans plus tard. Où est-ce qu'on se trouve en Suisse? Eh bien, je vais vous le montrer sur le slide suivant, si ça tourne. Ben, voilà. Vous voyez que le taux de chômage, alors il y a certes des cycles conjoncturels, il y a eu des crises, il y a eu la crise du dot-com dans les débuts des années 2000, la crise financière 2009-2010, et puis la crise du Covid maintenant. D'ailleurs, fait intéressant, le taux de chômage aujourd'hui est moins haut que le taux de chômage lors de la crise financière, aurait racheté, je vous le concède. Mais s'il y avait vraiment cette révolution du numérique, si vraiment la robocalypse suite à l'intelligence artificielle devrait arriver, on devrait le remarquer quand même dans les chiffres du chômage. Si un job sur deux devait disparaître, on ne peut pas être à 3,5%, 4%, on devrait être à 40%, 50%. Donc, visiblement, le numérique arrive, change nos professions, change les profils de travail qu'on a, mais ne sont pas encore accompagnés d'une perte massive d'emplois. Donc, visiblement, il y a aussi des opportunités qui ont pris place et qui sont positives pour le marché de l'emploi. Donc là, j'ai regardé l'emploi au total, mais je l'ai suggéré, il y a des différences dans les profils. Si vous regardez ici, sur 20 ans, quelles sont donc la somme de ces barres sur ce graphique vous montre une seule nulle. Donc, il y a visiblement des profils qui ont gagné en importance, d'autres qui ont perdu en importance. Clairement, cette numérisation, cette spécialisation de la Suisse dans le marché du travail demande plus de professions académiques, intellectuelles, certaines professions intermédiaires, mais hautement qualifiées. Et effectivement, on voit déjà une perte ici dans les cols bleus, si je peux simplifier ça comme ça, mais aussi effectivement une perte dans les emplois administratifs, typiquement des tâches répétitives, que ce soit dans le domaine bancaire, dans le domaine de la comptabilité, mais aussi des services de traduction, par exemple. On peut imaginer certaines professions qui disparaissent. Par contre, ce qui me paraît important de relever, c'est que ce n'est pas uniquement une question de formation. Il y a des tâches qui, même avec un faible niveau de formation, ici la vente, malheureusement, on n'a pas la catégorie séparée, mais je pense par exemple aux femmes de ménage, aux techniciens de surface, peu importe le nom qu'on leur donne, sont des tâches qui demandent peu de qualifications, pas de qualifications, mais peu de qualifications, mais qui ne sont pas répétitives. Faire le ménage dans un bureau ou dans une famille, chaque chambre est différente, chaque appartement est différent. Et certes, on peut imaginer un robot aspirateur qui passe d'une chambre à l'autre, mais s'il trouve une chemise par terre, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit la ramasser, la mettre sur une chaise, la mettre au sale.
Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être automatisé. Donc, même parmi les métiers avec peu de qualifications, il y aura toujours un besoin pour ces tâches qui ne sont pas répétitives ou pas automatisables. Je pense que c'est important de faire cette différence. Donc, voilà, un changement dans les profils requis. Et du coup, la question se pose, si on regardait dans la boule de cristal, quels seront les métiers d'avenir? Quels sont les métiers qui vont disparaître? Quels sont les métiers qui vont rester? Et puis, peut-être plus difficile à s'imaginer, quels sont les métiers qui vont apparaître? Pour faire très simple, on a ces trois catégories, je pense que les métiers qui risquent le plus de disparaître, et quand je dis métiers, ce n'est peut-être pas juste, il faut plutôt penser les tâches au sein des métiers. Si on pense à cet événement qu'on organise aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, on aurait développé un flyer avec une société de design, on aurait imprimé ces flyers dans une imprimerie à Genève, et puis on aurait envoyé par la poste ou par un courrier privé, et vous auriez répondu avec un talon, etc. Donc, il y a toute une chaîne de valeur qui arrive. Aujourd'hui, le métier de créer un événement comme celui d'aujourd'hui existe toujours, mais la chaîne de valeur est différente. C'est peut-être Madame Villa qui a développé le flyer, qui l'a envoyé par mail. Donc, on voit les tâches se sont un peu déplacées. Donc, clairement, là où c'est très cher, les activités sont très chères et on peut les déplacer. Elles n'ont plus besoin d'être sur place. On n'a pas besoin d'avoir une imprimerie à Genève, mais on peut avoir un service de serveur, un serveur d'email qui serait, je ne sais pas, en Roumanie, en Inde. Là, on risque d'avoir effectivement une délocalisation, là où le rapport qualité-prix est meilleur. Surtout si on n'a pas besoin d'une interface avec l'utilisateur final, avec le client, avec la personne qui fait recours, par exemple, au service de l'hospice général. Clairement, l'automatisation. Aussi en Suisse, la main-d'œuvre est très chère, le capital en comparaison est bon marché, on a beaucoup trop de capital en Suisse, c'est pour ça qu'on doit beaucoup investir à l'étranger. Donc, le capital étant meilleur marché, on peut avoir une automatisation. Pensez aux fabriques de Nespresso, par exemple, ce n'est pas du tout évident que la production mondiale de capsules de café se fasse en Suisse, mais comme on a beaucoup pu automatiser ce processus, ça peut se faire différemment, à savoir justement par un robot. Ou alors, un événement qui me paraît important, qu'on nous sous-estime aussi, c'est qu'on transfère certaines tâches aux utilisateurs. Je me rappelle, il y a 30 ans que je faisais mes études, je pouvais payer mes factures à la poste. On mettait toutes les factures dans une enveloppe jaune à l'époque, il fallait juste signer, on envoyait ça à la poste. Plus tard, on m'a demandé, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais ça vous coûtera à chaque fois 5 francs ou 10 francs, j'ai oublié le prix, mais on vous donne une petite boîte, si vous voulez le faire vous-même en ligne, vous pouvez le faire. À l'époque, ça m'avait un peu fâché. Aujourd'hui, c'est en fait l'inverse. Toutes les banques vous proposent, avec votre téléphone portable, de faire vos transactions bancaires. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait même un critère de choix ou d'exclusion de ne pas choisir une banque qui ne proposerait pas ces services. Donc, on voit qu'il y a des tâches qui bougent et du coup, aussi certaines professions qui vont changer, voire complètement disparaître. C'est clair que la personne qui enregistrait mes bulletins de versement que j'envoyais dans les débuts des années 90, ben, ce job-là a effectivement disparu. Les métiers dont on aura toujours besoin, et c'est indépendamment du niveau de qualification, c'est les métiers où l'entre-genre joue un rôle déterminant, où la gestion de la complexité, et quand je dis complexité, c'était l'exemple de la chemise par terre dans une chambre tout à l'heure, mais effectivement, gérer un gros projet, organiser un événement comme celui d'aujourd'hui, où on n'a pas une procédure standard, on n'est pas capable de standardiser, d'automatiser ces processus-là, eh bien, vont rester. Donc, il y a ces projets, ces jobs complexes, responsables de projets, penser à faire de l'estimation ou du calcul pour un gros chantier peut-être, mais aussi des métiers plus simples, justement le concierge, qui est la personne à tout faire, qui est sympathique, qui vous donne un renseignement. Aller chez le coiffeur, on pourrait imaginer se mettre la tête dans un étau et de se faire raser. La fonctionnalité serait donnée, mais on va aussi chez le coiffeur pour l'aspect social, pour échanger, pour apprendre un peu les ragots du coin, pour se faire plaisir. Donc, tout là où le sensoriel, l'interface humain joue un rôle important, ces métiers-là vont plutôt rester. Et puisqu'on a beaucoup de peine, et c'est pour ça qu'un peu la couverture médiatique se concentre justement sur ces 47% de jobs qui vont disparaître, parce qu'on a beaucoup plus de peine à se projeter dans l'avenir, quels sont les nouveaux jobs qui vont apparaître grâce au numérique? Un exemple assez simple,
Moi, j'ai fait longtemps les courses avec une dame qui est responsable pour tous les réseaux sociaux d'un grand groupe d'édition, donc dans un grand groupe de journal. Les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Il y a 10 ans, on ne pouvait juste pas imaginer qu'il y avait ces applications-là, point un, et on ne pouvait juste pas imaginer qu'une entreprise, dans sa communication, aurait besoin d'une personne pointue, bien qualifiée, pour gérer justement ces interactions avec... Avec les consommateurs, avec les clients. Donc, on a de la peine à imaginer, mais effectivement, si vous pensez les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, il y aura effectivement des nouveaux jobs qui vont apparaître et qui créent des nouvelles opportunités pour des gens très qualifiés, mais aussi peut-être pour des gens moins qualifiés. Ce qui va aussi changer avec la digitalisation, c'est la rapidité avec laquelle certaines lames de fond qui sont déjà en place changent nos formes de travail. Donc, pas forcément le quoi, pas forcément le qui, mais le comment. Clairement, le temps partiel va pouvoir continuer de progresser. Vous voyez ici rapidement quelque chose qu'on connaît, mais le temps partiel s'augmente. Enfin, c'est plus souvent le cas encore chez les femmes, mais c'est en train d'augmenter chez les hommes. Et c'est clair qu'avec la possibilité de travailler à distance, de se cliquer rapidement pour un meeting, pour un échange grâce aux instruments numériques, eh bien, ça facilitera aussi peut-être la conciliation vie professionnelle et vie de famille, et du coup aussi peut-être encouragera ou facilitera la continuité dans ce développement du temps partiel. Si on dit partiel, un temps partiel, on peut aussi cumuler plusieurs jobs. Là aussi, une tendance qu'on observe déjà depuis 30 ans, la multi-activité, donc c'est les personnes qui ont plusieurs employeurs à la fois, deux ou plus, ça reste en termes absolus, enfin en termes de masse salariale ou de nombre de personnes concernées, ça reste 8%, c'est encore pas la norme, mais si on regarde sur les 30 ans, c'est quand même un doublement du nombre de personnes qui ont deux employeurs en même temps. Quand je dis deux employeurs, ça pourrait être aussi un employeur, par exemple à 60%, et puis à côté, je construis ma petite entreprise, je développe mon idée, je développe mon modèle d'affaires et je suis indépendant en parallèle. 8%, ça correspond environ à 350 000 personnes dans la population active suisse. Ça correspond un peu à ce que je disais à la perte de job à l'époque dans l'agriculture. Donc, on voit que c'est encore marginal, mais ça prend de plus en plus d'importance et justement, ça crée aussi des opportunités d'avoir un travail, je dirais, régulier, standard, rémunéré, stable et puis peut-être justement de développer une activité annexe à côté. Et puis, la troisième chose qu'on peut se poser la question, et ça vient souvent aussi quand on parle de numérisation, on a un peu peur de cette ubérisation de notre société, d'avoir beaucoup plus de demandes, des jobs à l'appel, des relations pas stables avec l'employeur. Et là, c'est intéressant de voir aussi l'évolution dans le temps. Si vous regardez, il y a 30 ans, la part des emplois à durée indéterminée, donc un contrat qui tourne aussi longtemps que soit l'employeur ou l'employé ne décide pas de le résilier, eh bien, c'est dans la large majorité des cas, 91% des personnes avaient un contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, 2017, désolé, c'est presque aujourd'hui, mais avant-hier, disons, quel est votre avis, dans quelle mesure cette forme de durée d'emploi stable est toujours prévalente? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est exactement la même chose. Il y a quelques petites évolutions, si vous regardez, il y a des cycles un peu conjoncturels, mais c'est intéressant de voir qu'en Suisse, en France, c'est toute une autre histoire, mais en Suisse, le contrat à durée indéterminée reste la norme, et très clairement la norme. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu biaisé parce qu'on voit pas mal de jeunes faire des stages, et ça, c'est vrai. D'un autre côté, en ces 30 ans, il y a aussi beaucoup plus de jeunes qui font une formation en HES ou universitaire. Et du coup, il y a aussi une demande plus forte pour faire ces stages en début de carrière. Ça, c'est clair qu'on le voit. Mais après un, deux ans après les études, les gens rentrent dans un mode traditionnel, je dirais, en Suisse, où on a vraiment ces contrats de durée indéterminée. C'est aussi les effets positifs de cette politique du marché du travail très flexible qui permet d'engager des gens, mais aussi de s'en séparer pour les employeurs ou aussi de résilier pour les employés. Et c'est ce qui permet de prendre ce risque, entre guillemets, contrairement à la France, par exemple, où vous avez énormément, la grande majorité des nouveaux contrats sont des contrats à durée déterminée parce que justement, on veut éviter de rentrer dans une relation liée, poignée liée, très, très longtemps. Et ensuite, très rapidement aussi,
si on regarde la durée des emplois, cette idée que ça tourne toujours plus vite, c'est vrai pour les jeunes employés, enfin jeunes employés, ceux qui sont fraîchement dans une entreprise. On voit qu'il y a effectivement un peu moins de les contrats diminuent un peu plus, mais si vous regardez dans le long terme, 3 ans, 5 ans et plus, on a même une tendance vers le haut. Donc la stabilité de l'emploi, la stabilité, la loyauté, la fidélité des employeurs et des employés reste relativement constante en Suisse. Donc on n'a pas une précarisation, on n'a pas cette peur de ubérisation du marché. C'est un petit peu normal, parce que ça correspond un peu à ce que je vous montrais tout au début. On est en Suisse dans des métiers en général, pas pour tout le monde, bien sûr. À l'hospice général, vous voyez le revers de la médaille ou la part d'ombre que jette cette spécialisation. Mais en général, si vous êtes pointu, vous êtes à la pointe de la technologie, eh bien, vous avez intérêt à garder votre personnel le plus longtemps possible. On ne rentre pas dans une logique d'Uber. Vous ne pouvez pas avoir un spécialiste de la blockchain qui vous répondra dans les 2 heures et qui travaille seulement pour quelques heures. Donc, la spécialisation du marché du travail suisse permet aussi justement cette fidélisation et cette stabilisation des emplois. Un point aussi qui me paraît important quand on parle de la numérisation, on a toujours peur de la fracture numérique, on verra tout à l'heure le sondage, mais cette peur qui est latente, qu'on retrouve dans les journaux tous les jours, c'est que les personnes 55 ans et plus vont être décrochées et qu'on va les licencier en masse. C'est vrai que si vous perdez votre emploi à 55 ans, c'est beaucoup plus difficile de retrouver un emploi, c'est beaucoup plus long, et c'est les histoires, les dessins tragiques qu'on lit dans la presse ou qu'on entend à la radio ou à la télévision. Mais le gros de la population suisse, qui a 55 ans et plus, est en emploi. Et d'ailleurs, si vous voyez en nombre absolu, c'est la première ligne, vous voyez que depuis 2011, on a environ 250 000 de personnes en plus, pas au total, en plus, qui travaillent à l'âge de 55 ans et plus, et une grande partie ici des personnes de 65 ans et plus qui travaillent. Donc, on a, c'est en fait l'effet du baby-boom dont on parle beaucoup quand on parle de prévoyance. Ces gens qui, il y a 10 ans, avaient encore 45 ans, ben aujourd'hui, ils continuent de travailler, on l'a vu dans le graphique de tout à l'heure, ils continuent de travailler, aujourd'hui, ils ont 55 ans, ils sont en emploi, et ils n'ont pas été virés, ils sont là. En termes absolus, c'est 250 000 de plus, mais c'est aussi en termes absolus, parce que je viens de parler des baby-boomers, en termes relatifs, la part des personnes qui travaillent, vous voyez qu'elle est également extrêmement augmentée. On est passé de moins de 60% à plus de 3/4 aujourd'hui des gens de 55 ans et plus qui poursuivent une activité lucrative. Et donc, on voit bien que le marché a aussi besoin de ces personnes-là. Donc, il y a ceux qui perdent leur emploi qui ont de la peine, mais il y a une large majorité des gens qui veulent travailler qui ont ce travail-là. Et le corollaire, c'est que ben, voilà, si on a plus de personnes qui travaillent plus longtemps, ben, c'est que l'âge effectif de la retraite augmente autant pour les hommes et pour les femmes et de façon significative depuis 2011. Voilà, j'arrive à la fin de ce plan, de ce décor, de cette vue, de ce recul d'ensemble. Je pense que justement la technologie a toujours mis des emplois en péril. Je pense qu'il ne faut pas, oublier ce pan-là. On a parlé de l'agriculture, mais pensez à un typographe. Enfin, il y a plein de métiers qui aujourd'hui disparaissent, certaines tâches disparaissent, mais l'innovation a toujours été en Suisse, mais la comparaison internationale le montre aussi, le garant de la prospérité et le meilleur moyen de lutter contre un taux de chômage élevé. Donc, restons à la pointe des besoins de l'économie et ça nous permettra de maintenir le taux de chômage bas tel qu'on le connaît en Suisse. La technologie va changer nos tâches. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne travaille plus comme il y a 10 ans, on ne travaille plus comme l'année passée. Avant la pandémie, on se serait rencontrés en live à Genève. Aujourd'hui, ça permet à plein de gens de différents horizons, différentes locations de participer ici. Mais dès qu'il s'agit de gérer la complexité, donc ce qui n'est pas automatisable, dès qu'il faut mettre le relationnel en avantage, est un avantage comparatif et ce qui nous permettra de garder la main, de garder la maîtrise par rapport à ces robots qui nous font peur parfois, mais qui en fait sont là pour nous décharger et nous concentrer sur là où on a un outil fort, à savoir justement cette gestion de la complexité, cette gestion du relationnel. Et puis effectivement, la technologie permettra d'accélérer certains changements de forme de travail, avec aussi des revers. C'est clair que la limite entre vie professionnelle et vie privée va bouger, mais ça permet aussi de faciliter peut-être, de pousser ces frontières, de pousser les frontières entre le travail salarié et le travail indépendant, et puis aussi de proposer des opportunités pour les jeunes, mais aussi pour les plus expérimentés.
Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et très volontiers que je reprends hein, quelques questions maintenant avant de pouvoir parler à la fin de cette matinée. Merci beaucoup, Monsieur Cozandet. On a appris plein de choses. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai appris plein. Je vous remercie. Vincent, est-ce qu'il y aurait rapidement une ou deux questions? Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'on a dépassé un petit peu le temps prévu, mais il y a une question qui a trait pour vous aux évolutions des habitudes de consommation qu'on peut imaginer ces prochains temps, la préoccupation aussi d'une consommation plus durable. Est-ce que tout cela ne risque pas effectivement de modifier vraiment considérablement les projections sur les métiers d'avenir? Est-ce que vous pouvez nous Alors, je éclairer pense sur qu'il y a cette des. dimension-là? Oui, c'est très intéressant. Je pense qu'encore une fois, la pandémie va accélérer certains changements. Typiquement, le voyage d'affaires et donc tout le tourisme d'affaires qui est associé, je pense que ça va bouger. Les hôtels en ville, certains vont reprendre. Il y aura un besoin quand même de se revoir en présentiel. Mais c'est vrai que d'aller vite à Londres, pour un peu caricaturer, vite à Londres pour faire un meeting de 2 heures et de revenir le même soir, pour un meeting de travail, mais qui n'est pas vraiment important, je pense qu'on ne va pas le faire. Par contre, pour la première rencontre, pour conclure un gros contrat, eh bien là, les gens auront envie de se revoir dans les yeux, de serrer la main. Donc là, il y aura un changement. C'est clair que ça va changer aussi dans le plus petit. Les gens vont continuer de faire du télétravail. Je pense qu'on est content de pouvoir retourner au bureau, mais on sera content de pouvoir regarder un peu le travail à la maison. Donc ça veut dire que tous les restaurants qui sont proches des centres d'affaires, typiquement, si les gens commencent à. Au lieu d'aller 5 fois par semaine travailler et travailler seulement 3 jours au bureau et 2 jours à la maison, ben pour le restaurant du coin, ça veut dire une baisse de fréquentation de 40%. Et inversement, ça va créer des opportunités dans les quartiers résidentiels parce qu'on aura besoin de services de livraison à domicile. Donc oui, la numérisation va changer la façon dont on consomme, dont on se déplace. Mais là aussi, ça va, à l'exemple des services de livraison à domicile. Dans des villes plutôt périphériques, dans les agglomérations, montre aussi que ça va aussi créer d'autres opportunités et d'autres devront les forcer à se réinventer ou réajuster leur offre. Merci beaucoup, Monsieur Cozandet, pour ces éléments. Effectivement, nous avons encore des questions. Je ne sais pas, Sandra, si tu souhaites qu'on les traite par la suite ou. Oui, alors comme on a un peu pris du retard, je propose aux personnes de garder vos questions. Et puis on les traitera à la fin, vu qu'il y aura de toute façon un moment d'échange, si ça va pour D'accord. tout le monde. Oui, on fait comme ça. Encore merci, Monsieur Cozandet. Merci à vous. Alors maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Christian Lopez-Kirlan, directeur de l'ESO Genève, et qui va nous parler de la fracture numérique en s'appuyant sur un sondage effectué auprès de son public. Monsieur Oui, Lopez, je merci. vous Je laisse. vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, parfait, Parfait. très Écoutez, bien. merci. Merci. J'ai trouvé l'intervention de Monsieur Cozandet assez intéressante. D'abord, mes félicitations à l'Office général pour l'organisation de cet événement. Et puis à l'équipe, surtout qui a organisé, parce que je sais que c'est beaucoup de travail. Et au niveau numérique, puisqu'on en parle, c'est parfait. Donc voilà, mes félicitations à vous. Alors je vais aller très vite, je vais vous abreuver de chiffres. Nous avons mené une étude entre juin et août de l'année passée, juste après la fin du premier confinement, en nous disant qu'en est-il réellement par rapport à notre public? Je rappelle que l'OSEO travaille notamment avec des publics faiblement qualifiés ou peu qualifiés, qui viennent de l'hospice général, de l'AI et du chômage, mais également des personnes qui sont qu'on appelle les ninis, c'est-à-dire qui ne sont nulle part et qui sont des travailleurs souvent précaires. Nous avons mené cette enquête donc entre juin et août auprès de 260 personnes. Nous avons interrogé 20 jeunes et nous voulions vraiment poser quelques questions simples afin d'avoir une vision concrète de la situation de ce public-là. Donc voilà, je vous livre les chiffres qui nous ont paru assez significatifs et étonnants. On ne s'attendait pas à cela. Peut-être qu'il faudrait faire une étude plus poussée, ce serait peut-être intéressant, mais en discutant notamment avec l'Office général, on s'est accordé pour dire que les chiffres que vous allez voir, si on devait faire une enquête plus générale, auprès de plus de monde, ce serait plus ou moins les mêmes résultats. Alors, nous sommes partis,
sur la base de 4 questions, donc avec des idées reçues. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Alors certes, je vous livre les chiffres, 100% des adultes francophones que nous avons interrogés ont un smartphone, ainsi que 100% des jeunes qui sont chez nous entre 15 et 25 ans, notamment dans des mesures qui s'appellent le semestre de motivation. En revanche, 87% des adultes non francophones ont un smartphone, ce qui veut dire qu'il y a quand même 13% de la population interrogée qui n'en avait pas. Un premier exemple pour dire que lorsqu'on nous disait le confinement va pouvoir nous permettre également de faire de la formation à distance à travers le Natel, nous nous sommes rendus compte que 13% de nos participants n'avaient pas, donc dans le public non francophone. La deuxième idée reçue, numéro 2, c'est tout le monde a un ordinateur à la maison. Bon, c'est vrai que tout le monde n'en a pas un, mais 60% des adultes francophones qui suivent nos cours possèdent un ordinateur. Le chiffre est assez impressionnant. Ça veut dire que 40% des gens n'ont même pas une tablette ni un ordinateur à la maison. Par contre, 45%, et c'est ça qui nous a étonnés, des jeunes possèdent un ordinateur à la maison. Donc, je rappelle que ce sont des jeunes qui sont en recherche souvent d'un apprentissage ou d'une formation. Et lorsqu'il s'agit des adultes non francophones, c'est-à-dire presque 35% de la population du chômage, eh bien, seulement 30% des personnes possèdent un ordinateur à la maison. Donc, le confinement nous a montré la difficulté, notamment du travail, de la formation à distance et puis du coaching, notamment. Troisième idée reçue, tout le monde a un accès à une connexion Internet à la maison. Ben, 95% des jeunes avaient une connexion Internet, mais seulement 45% d'entre eux possèdent un ordinateur, je le rappelle. Et seulement un peu plus de 80% d'adultes francophones peuvent se connecter depuis la maison. 60% de nos participants non francophones n'ont pas d'accès à une connexion Internet à la maison, ce qui est assez impressionnant également. Et la quatrième idée reçue, c'est travailler ou se former à distance depuis sa maison est à la portée de tous ou tous, toutes et tous. Eh bien, seulement 80% des gens interrogés, et ça, c'est leur perception, disent avoir un espace tranquille pour travailler depuis la maison. Mais ce taux baisse à 70% pour les jeunes. Voilà, c'est l'idée derrière ça, c'était d'avoir une radiographie précise de notre public. Alors, je le répète, ça a le mérite d'avoir pu enquêter. Peut-être qu'il faudrait faire une enquête un peu plus poussée. Mais nous avons été inquiétés, nous avons envoyé cette étude qui est un peu plus poussée à l'ensemble de nos partenaires institutionnels pour savoir ce qu'on pouvait faire. Alors, je ne vais pas vous donner des solutions aujourd'hui miracles, parce que l'objectif aussi de la matinée, c'est que nous nous attaquions ensemble à cela. Et puis enfin, c'est qu'il n'y a pas que les outils, c'est que 50% des personnes interrogées trouvaient qu'elles n'avaient pas les compétences de base pour utiliser ces outils de manière autonome. Ça veut dire concrètement que même si on leur mettait à disposition un ordinateur, une tablette, voire un téléphone pour les personnes qui n'en avaient pas, pour pouvoir se former, les gens ne sont pas compétents pour pouvoir utiliser ces outils. Alors, pourquoi cela est important? Parce que pour aller dans le sens de M. Cossandet, on calcule qu'à Genève, on a peut-être une population fragilisée qui est en recherche d'emploi. On parle de l'ordre de 45 000 personnes environ. Hein, si vous cumulez les chiffres additionnés de l'AI, du chômage et de l'aide sociale. Dans cette population, eh bien, il y a toute une série de personnes qui vivent la fracture numérique. Alors, bien entendu, qui dit fracture numérique dit essentiellement aussi derrière ça fracture sociale, fracture culturelle, éloignement parfois au niveau du sport. Je vous donne un exemple. On est allé chercher hein, de manière assez poussée. Aujourd'hui, si vous avez envie à Genève d'inscrire votre enfant aux activités parascolaires sportives,
Ben, vous ne pouvez pas le faire avec un téléphone. Il faut avoir un ordinateur. Donc, il y a cette fracture numérique qui nous a montré, en tout cas, l'importance également de la fracture sociale. En ce qui nous concerne, nous pensons que pour pouvoir réussir cet accompagnement numérique, nous pensons que la question de la fracture devrait être prise comme cela a été le cas à un certain moment sur la question de l'illettrisme au niveau fédéral. Vous savez qu'il y a eu des fonds conséquents pour s'attaquer à cette question et nous pensons que nous devrions également procéder de même. Maintenant, je ne vais pas vous donner des solutions parce que je vous dis, nous, on a fait quelques propositions, mais l'idée pour nous, c'est plutôt d'ouvrir la discussion et puis de trouver des propositions, des solutions de manière collective. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lopez. Très intéressant. D'ailleurs, notre intervenante suivante continuera sur ce sujet-là. Vincent, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, mais comme le proposait Monsieur Lopez, on peut tout à fait avoir une ou deux interventions avec, si vous levez votre main, dans les réactions, là, vous pouvez lever la main et peut-être on peut donner la parole à une ou deux personnes, vu que M. Lopez proposait, c'est une très bonne idée, un petit débat peut-être pour des pistes de solutions. N'hésitez pas à lever votre main si vous avez la possibilité. On attend quelques secondes pour voir si quelqu'un s'avance. De toute façon, on aura ce temps entre à la fin. Oui. Monsieur. Je sais que ça a laissé nos interlocuteurs un peu bêlés parce que la fracture numérique, alors je me permets juste une intervention, c'est que notre difficulté, nous avons fait le tour de l'ensemble des offices et départements au niveau institutionnel. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, chaque acteur a des besoins spécifiques. Et à notre sens, on sera obligé, et je recommande, nous recommandons que tous les moyens soient mis en commun pour que nous puissions réussir à encadrer et atténuer cette fracture numérique. Tout seul dans nos coins, même avec toute la bonne volonté du monde, ça va être très compliqué, même si toute l'expérience est positive et enrichissante pour le réseau. Mais il va falloir qu'à un moment donné, nous puissions dire quelles sont les grandes thématiques ou les grands sujets ou projets que nous pouvons mener ensemble. Parce que, je le répète, ça demande des moyens technologiques importants, des moyens humains, de réseau, etc. Et nous avons une question qui va dans le sens d'une question. Donc, c'est la fracture numérique. Est-ce que ce serait davantage l'affaire d'un problème d'accès que des compétences? C'est un petit peu le... C'est les deux. Ce sont c'est les deux, ça va ensemble. J'ai l'impression, hein, c'est-à-dire si... vous l'avez vu, si on n'accompagne pas les compétences, même si vous mettez à disposition le matériel, ça va être extrêmement difficile. C'est un peu des deux. Merci. Il y a deux mains levées. Je ne sais pas si tu as vu, Vincent. Oui, on peut passer la parole à M. Cozandet qui voulait prendre la parole. Et ensuite, il y a M. Patrick aussi. Oui, bonjour. Merci beaucoup, M. Lopez. Et je pense que la dernière remarque que vous venez de faire me paraît hyper importante, surtout que la fracture numérique va aussi mettre en évidence certains manques de compétences. Je me rappelle avoir discuté avec une organisation de soins à domicile où dans le temps, donc c'était pas tellement les soins, c'était plutôt de l'aide à domicile. Et ces personnes qui étaient souvent mal qualifiées, qui parlaient mal la langue, bien, elles écrivaient sur un petit post-it qu'elles passaient à leurs collègues à la fin de leur tour. Et ces quelques petits mots écrits, gribouillés sur un papier, ça passait bien. Quand ils ont passé à un système informatique tout simple, entre guillemets, sur la base de l'iPhone, et bien tout d'un coup, cette personne avait de la peine à écrire ça parce qu'elle avait peur d'écrire des fautes d'orthographe, de faire une phrase compliquée. Et du coup, il y a eu ce manque de compétences de langue était mis en avant encore par l'emploi d'un outil informatique. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument considérer aussi. Il ne s'agit pas justement de donner, comme vous l'avez dit, donner un outil, mais il faut vraiment
réfléchir à ce que ça implique dans le changement de processus, mais aussi au niveau culturel, au niveau de compétences de base, ce qu'on exige d'une personne. Voilà, plus un commentaire qu'une question. Enfin, je ne sais pas si ça recoupe ce que vous avez aussi observé dans votre sondage, M. Lopez. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. D'où la difficulté aujourd'hui de savoir par quel bout on attaque cette fracture. Nous, notre inquiétude, c'est de voir que, pour revenir à ce que disait M. Cossandet, il y a d'énormes opportunités qui sont en train de s'ouvrir au niveau numérique, mais on constate que si on ne met pas l'accent très vite aujourd'hui, de manière urgente pour atténuer cette fracture, on va se retrouver avec des gens qui seront très éloignés du marché du travail. Nous organisons environ 2000 stages sur le marché du travail chaque année et on voit que même dans des métiers peu qualifiés, on commence à demander des compétences numériques dans le domaine du nettoyage, avec l'utilisation de tablettes pour gagner du temps, pour gérer les stocks, y a 1000 choses. On a une expérience, nous, au ZEO, avec un grand distributeur que je ne vais pas nommer. On s'est rendu compte, dans une grande ville, on nous a demandé de faire une étude, que 80% des collaborateurs qui étaient là, engagés sur place, avaient un retard au niveau numérique. Donc, il y a, même pour les travailleurs actuels, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors, toute la question pour revenir, puis je termine avec l'intervention de M. Cossandet, c'est d'équilibrer les opportunités, n'est-ce pas, en les accompagnant pour tout un pan de la population qui est en train de rester, à notre sens, bien en arrière. Merci pour ces interventions. Je propose qu'on prenne une dernière question. Monsieur Lapalu, qui a levé la main, peut prendre la parole et après, on passera, je crois, à la prochaine intervenante. Oui, merci. Déjà, je voulais confirmer un peu ce que M. Lopez a dit. Dans la fracture numérique, on a tendance à beaucoup voir des personnes âgées, mais à ce que je constate, moi, je travaille chez Pro Entreprise Sociale Privée et je fais passer des stages liasi, et il y a pas mal de personnes, c'est plutôt des jeunes. Ils ont un smartphone, ils ont un ordinateur, mais du Facebook, ils arrivent très bien à comprendre, mais aller chercher les informations, des fois, il y a beaucoup plus de problèmes. Donc, c'est un peu ce côté-là. C'est qu'est-ce qu'on fait aussi avec les outils qu'on a à disposition. J'ai un smartphone, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Certains peuvent aller chercher du travail, certains peuvent juste s'amuser, etc. Quand j'entends fracture numérique aussi, j'ai pas mal de connaissances qui ont des problèmes cognitifs. J'ai des personnes autour de moi qui ne peuvent pas utiliser en ordinateur la journée, etc. On dit toujours qu'il faut amener ces personnes à pouvoir amener. Et il y a des personnes qui ne pourront jamais utiliser ces outils. Il y a des gens qui seront toujours en dehors de ce marché-là. Et moi, j'ai une question, c'est est-ce que ces gens-là, on doit leur mettre quelqu'un à côté pour les assister parce qu'ils n'ont pas cette possibilité cognitive, ou est-ce qu'on va s'adapter à eux aussi? C'est un peu ma question. C'est une bonne question. Quand on parle de fracture numérique, j'assimile, je ne sais pas pourquoi, la question est la question de l'illettrisme. Je pense qu'il faudra à un moment donné penser à des écrivains publics, vous savez, comme à l'époque, mais sur les questions du numérique, parce que tout le monde n'a pas ses capacités cognitives pour pouvoir le faire. Et ce qui nous a inquiété, nous, au niveau de la fracture numérique, c'est que ça touche pas seulement, aujourd'hui, là, on parle d'un public qui est en insertion professionnelle, mais vous avez évoqué la question des personnes âgées. Nous, on a fait le tour, par exemple, de certaines communes, et certaines personnes âgées sont larguées, même pour commander de la nourriture, pour aller payer, pour la poste, la banque, et on en passe. Et je pense que la pandémie a mis en lumière cette fracture. Merci beaucoup pour ces échanges toujours aussi riches. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à Madame Eva Nada, chercheuse. Dans le cadre d'une immersion au TANCAS, au Centre d'action sociale de Carouge, elle a conduit une recherche sur l'expérience des bénéficiaires de l'aide sociale confrontés à la digitalisation, de prestations sociales. Eva, alors je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et merci aux organisatrices de cet atelier.
et aux participants qui interviennent aussi avec moi autour de cette question de l'usage du numérique et des outils numériques. Alors, ma présentation, elle va un peu relier les deux premières présentations, ou en tout cas, je vais essayer de vous présenter enfin, comment on peut penser ce que M. Cosendet a présenté, qui est quand même une manière de voir la numérisation de manière plus des classes supérieures, si je le dis comme ça, et ce que M. Lopez a présenté, qui est plus une manière de voir l'usage du numérique des personnes qui sont plutôt de classe sociale inférieure. Donc, c'est aussi deux manières de penser la fracture numérique, ou en tout cas, deux manières de penser la fracture numérique aussi, dont j'aimerais vous parler. Donc, je vais juste partager mon PowerPoint et commencer la présentation. Donc, c'est tout bon, on voit. Vous voyez ? Oui. Alors, je lance le diaporama. Super, merci. Donc, comme l'a dit Sandra, ce qui m'a amenée à faire cette recherche, c'est cette immersion que j'ai faite au CAS de Carouge pendant 6 mois. Donc, j'ai été assistante sociale au CAS de Carouge pendant 6 mois. J'avais un portefeuille de 30 personnes que je suivais, ou de 30 dossiers que je suivais. Et donc ça, c'était la première partie de cette immersion à l'ESPI général. Et la deuxième étape a été cette recherche que j'ai faite entre septembre 2020 et décembre 2020. Donc l'idée de cette recherche est née de mon immersion à l'ESPI général, donc comme assistante sociale. Donc quand je suis arrivée à l'ESPI général, donc découvert en fait que la digitalisation ou la numérisation était quand même bien intégrée dans les processus de travail de l'ESPI général. Donc, ce qui a été pour moi une petite surprise en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça ou à la place que ça prenait dans le travail en fait, comme assistante sociale et pour la distribution, la remise des prestations sociales. Donc, Je me suis intéressée dans cette recherche, non pas à ce quel effet ça peut avoir sur le travail des assistantes et assistants sociaux, mais plutôt à quel effet ça peut avoir pour les destinataires de l'aide sociale dans la manière dont ils vont recevoir et demander leurs prestations sociales. Donc, la question de recherche, c'est comment les conditions de vie de ces personnes qui sont à l'aide sociale influencent leur rapport à la digitalisation des prestations sociales. Donc, en fait, l'idée, c'était d'identifier les principaux effets de cette digitalisation des prestations sociales dans la vie quotidienne des destinataires de l'aide sociale dans le canton de Genève. Donc, c'était de se demander, en fait, comment des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité et de précarité importantes font avec ces nouveaux outils et ces nouvelles manières de faire pour demander leurs prestations sociales auxquelles elles ont droit, et comment en fait leurs conditions de vie, donc être dans une situation de vulnérabilité et de précarité, peut avoir un effet sur cette manière de faire pour demander des prestations sociales. Donc, je vais parler un peu des éléments un peu plus théoriques sur la fracture numérique ou les inégalités sociales. En fait, on en a un peu parlé avec M. Lopez. Est-ce que quand on parle de fracture numérique, on ne parlerait pas plutôt d'inégalités sociales, en fait? Et quel est le problème avec cette notion de fracture numérique? Alors, quand on parle de fracture numérique, en fait, on se réfère à un écart entre ceux et celles qui ont accès à Internet et aux outils numériques et ceux qui n'y ont pas accès. Donc, la fracture numérique, là, on parlerait de première fracture numérique, parce que ça s'est élaboré au cours du temps. Donc, la première fracture numérique, c'est l'accès aux outils digitaux et l'accès à Internet. Donc, la fracture numérique, quand on parle aussi de fracture numérique, c'est qu'on se rapporte d'abord au problème. On rapporte le problème aux individus. S'il y a un écart, ça veut dire que c'est les individus qui ont un manque. On pense pas le problème comme étant structurel. On le pense comme individuel, et donc c'est aux individus qu'on doit compenser ce manque. C'est les individus qui ont quelque chose qui leur manque. Ce n'est pas un problème de société, ce n'est pas un problème structurel.
Donc, en fait, ça sous-entend qu'il suffirait d'équiper et de former les personnes pour dépasser la fracture numérique. Donc, on a vu, comme monsieur, sur la question des limites cognitives ou des difficultés cognitives de certaines populations, en fait, est-ce qu'il suffit d'équiper, de former les personnes pour qu'on puisse dépasser la fracture numérique pour ces populations? Donc, on voit que de penser en termes de fracture numérique, ça pose aussi, ça individualise beaucoup le problème. Et en fait, on pose une responsabilité importante chez les personnes qu'on identifie comme étant en manque de quelque chose, en fait. Et on les qualifie et on les stigmatise, ces personnes, comme étant aussi en manque de quelque chose. Donc, on les exclut en partie d'une société ou de notre société. Donc, en fait, la question, de nouveau, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment une inégalité d'accès ou une inégalité des conditions de vie? Est-ce que, quand on parle de fracture numérique, on ne parlerait pas plutôt d'inégalité des conditions de vie? Parce que l'accès au numérique dépend beaucoup du contexte de vie, de la manière dont on vit. Et je vous le montrerai dans certains résultats de ma recherche. C'est assez évident. Et donc, ça, c'est la première fracture numérique. C'était l'idée de dire de l'accès aux outils numériques et l'accès à Internet. Et la deuxième fracture numérique, c'est cette idée des usages, en fait, qu'il y a des différences dans les usages d'Internet ou les usages de ces outils et la manière dont on peut les utiliser. Et donc, là aussi, il y a un grand différentiel entre ce que les personnes qui appartiennent aux fractions les plus diplômées des populations occidentales qui ont un usage extensif de ces outils numériques, qui peuvent accéder à beaucoup de choses à travers ces outils numériques, et d'autres populations et d'autres milieux sociaux qui sont bien moins dotés dans ces usages, qui ont... aujourd'hui, en Suisse, il y a 85% de la population qui a un accès à Internet, qui a un ordinateur, un smartphone. Donc, c'est largement diffusé dans l'ensemble des franges de la population. Mais les multiples usages ont du mal à pénétrer dans des milieux sociaux qui sont moins bien dotés socialement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la seconde fracture numérique, c'est la question des usages, en fait. Alors que la première, c'était la question de l'accès. Donc, ça mène un peu parce que ce qui est intéressant aussi autour de cette question du numérique et de l'accès au numérique, de ses usages, c'est qu'on a beaucoup d'études qui ont été faites sur les usages numériques des classes sociales supérieures, bien qualifiées, bien formées, beaucoup moins sur des classes sociales qui sont inférieures, qui sont moins bien formées et qui sont moins dotées pour utiliser ces outils numériques. Et une des études sur laquelle je me base, et il n'y en a pas beaucoup, c'est Madame Dominique Pasquier qui a fait une étude sur le rapport à Internet des classes populaires. Alors, elle a montré que ces modes d'appropriation, que ces classes populaires en France, donc dans des milieux ruraux, donc il y a deux choses, il y a des classes populaires et dans les milieux ruraux, donc pas dans des milieux urbains, ce qui a aussi un impact sur la manière dont on va s'approprier ces outils Internet. Donc, elle montre, alors ça revient à ce qu'on disait avant dans les questions, c'est que ces classes sociales, elles ont un contournement systématique de l'écrit. Donc, elles vont trouver beaucoup de moyens pour contourner l'écrit, pour communiquer par Internet sans écrire. Donc, elles vont faire un usage extensif des images pour communiquer plutôt que d'utiliser l'écrit. Par exemple, l'exemple de Facebook, plutôt que d'écrire quelque chose sur son mur ou de commenter la publication d'un ami ou d'une amie, on va partager une image qu'on aura trouvée sur un autre compte Facebook, qu'on aura trouvée, qui aura déjà été partagée par quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on va exprimer notre sentiment ou exprimer ce qu'on veut dire. Et c'est aussi chez ces classes, il y aura une préférence des supports tactiles plutôt que de l'ordinateur, donc que ce soit la tablette ou le smartphone. Et aussi là, ces classes populaires rurales, elles vont utiliser Facebook, elles sont présentes sur Facebook, mais Facebook est un dispositif familial, donc c'est pour entretenir les liens familiaux. Ce n'est pas pour se mettre en réseau ou élargir son réseau. Donc, on voit que là aussi, c'est un usage qui est complètement différent
des classes sociales supérieures bien mieux qualifiées. Donc, Facebook, ça sera pour des comptes familiaux, donc la famille élargie se retrouve sur Facebook et partage ses émotions, ce qui se passe dans sa vie et partage ses images. Et c'est pour entretenir ces liens de parentèle, ça veut dire que ça permet de maintenir le lien, par exemple, avec des personnes de sa famille qui seraient éloignées de où on habite. Ensuite, sur Internet, l'usage de l'email est très, très peu fréquent chez ces classes sociales. C'est beaucoup plus l'usage des réseaux sociaux, donc de Facebook, mais pas de tous les réseaux sociaux. Donc, par exemple, Twitter n'est pas du tout utilisé par ces classes sociales populaires rurales. Donc, les pratiques numériques qui sont privilégiées par ces classes populaires font sens par rapport à leurs besoins quotidiens. Donc, elles ne s'inventent pas des usages qui n'ont pas de sens pour elles, donc par rapport à leurs conditions de vie, et sont des indicateurs pertinents de leur rapport au monde. Donc, ça nous apprend aussi de la manière dont elles perçoivent le monde et elles entretiennent, quel type de rapport elles entretiennent au monde. Donc, pourquoi je vous ai présenté les résultats de l'étude de Dominique Pasquier, parce qu'on peut faire une petite analogie entre les destinataires de l'aide sociale à Genève et la population des classes populaires. Alors, les dernières statistiques de l'Ocstat, donc de l'Office cantonal de la statistique de Genève, sont sorties hier. Donc, à Genève, il y a 5,7% de femmes qui sont à l'aide sociale et 6,3% d'hommes. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est les familles monoparentales, elles sont surreprésentées. Donc, 27,2% des ménages qui sont à l'aide sociale sont des familles monoparentales. Donc, c'est assez important. Ensuite, c'est 5% de Suisses et Suissesses et 7,5% d'étrangères et d'étrangers qui sont aujourd'hui à l'aide sociale. Et 51% de ces personnes qui sont à l'aide sociale, elles n'ont pas de formation obligatoire. Donc, on peut dire qu'elles partagent en tout cas des conditions qui sont proches des classes populaires que je vous ai présentées avant, qui sont aussi, qui n'ont pas des grandes formations et qui ne sont pas, alors comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas forcément des familles monoparentales et ce n'est pas des classes populaires étrangères. Mais on peut un peu les associer aux personnes, aux destinataires de l'aide sociale à Genève, ou en tout cas, il y a un mode de vie qui est plus proche des classes populaires rurales que je vous ai présentées que, par exemple, de ce que nous a présenté M. Cosandet. Donc, c'est un mode de vie qui est important et qui va déterminer les usages qu'on va pouvoir faire des outils Internet et qu'on va faire de ces outils Internet et des appareils ordinateurs, smartphones et tablettes. Donc, je vous présente juste la méthode que j'ai utilisée. Donc, c'était une approche qualitative. J'ai fait 12 entretiens approfondis avec les destinataires de l'aide sociale. Pardon pour le... Excusez-moi, oui. Excusez-moi, il y a juste votre PowerPoint, vous êtes toujours sur la diapo 1. Ah bon? Oui, pardon. Et on n'arrive pas à le suivre. Mais comment ça se fait? Parce que moi, je remercie, parce que je pensais que c'était juste une introduction que vous alliez commencer avec la présentation. Ah, voilà. Là, c'est bon pour tout le monde? Moi, c'est bon, là, vous voyez tout? Vous voyez quoi? Là, on a méthode. Oui, ok. Alors... Vous étiez revenu sur... Il faut venir en plein écran, et c'était juste là, on voyait après. Oui. Il faut rester en plein écran. Ok, alors... Je suis navrée, j'avais pensé qu'en fait, vous étiez juste en train d'introduire la préparation, puis qu'on aurait les résultats. Mais merci pour votre intervention, Monsieur Lapou. Allez, pardon. Alors, vous me dites... Là, je passe en mode plein écran, vous me dites ce que vous voyez. Vous voyez quoi, là? Je vous entends. On voit pas le plein écran, non? Non. Mais votre souris, allez, deux boutons. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon maintenant. Donc en fait, donc. Non. Là, vous voyez quoi? Le premier slide. Et là, vous voyez quoi? J'ai passé au deuxième slide. Oui, là c'est le deuxième. Ok. Donc je vous refais le défilé. Donc là, c'était le premier de l'enquête. Le contexte digitalisation, les questions de recherche, la fracture numérique ou inégalité sociale, ce que je vous ai dit autour de ça, ce que je vous ai parlé des classes populaires rurales de cette étude et des destinataires de l'aide sociale à Genève. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre, c'est parce que vous avez
vous avez appuyé sur le bouton lire à partir de début, en haut à gauche. Oui. Il faut plutôt appuyer sur la petite icône qui est en bas à droite pour mettre en plein écran. Vous voyez, à côté du zoom, à gauche encore. Non, mais vous m'avez dit en bas à droite. À droite, oui, mais un peu plus à gauche. À gauche du zoom. Il y a encore à gauche. Voilà. Oui. Mais là, vous avez, c'est ce que j'ai fait avant, hein, et ça, apparemment, ça ne marchait pas, mais on va regarder. Donc là, vous voyez quoi? Alors, c'est toujours comme avant, en fait. C'est pas en plein écran. Bon, alors... mais, bon, on va peut-être rester comme ça pour pas trop ça. Voilà, là, c'est bon. Là, on voit en plein écran. Là, vous voyez en plein écran? Non, là, ça s'est enlevé. Eva, du coup, je te propose qu'on avance juste en défilant. Oui, je suis navrée, alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ça, en tout cas, ça n'a pas dérangé. C'était très passionnant ce que tu disais. Donc, mais c'est vrai que j'ai pensé que ça allait venir après, en fait. Donc voilà, là, c'est la méthode. Donc, je vais juste corriger. C'était 12 destinataires. Donc, c'était une approche qualitative avec des entretiens approfondis avec 12 destinataires de l'aide sociale qui étaient âgés de 18 à 57 ans, 7 hommes et 4 femmes. Donc, 7 et 4, ça fait 11. Ouais. Pardon. J'ai un peu des problèmes avec les calculs, apparemment. Pour avoir une idée de cette composition du collectif que j'ai interviewé, donc, il y avait 4 personnes qui étaient divorcées, 4 célibataires, 2 séparés, et une personne qui était veuve. Donc, on voit que les ménages, ce n'était pas du tout des ménages d'une famille nucléaire, si je le dis comme ça, c'était plutôt des personnes qui vivaient de manière seule ou avec des enfants. Donc, statut résidentiel, c'est donc dans quelles conditions elles vivent, ce qui est important pour pouvoir se connecter à Internet, par exemple, et avoir son ordinateur, de pouvoir le charger. Donc, la majorité des personnes vivaient en appartement, donc 7 personnes vivaient en appartement, 2 à l'hôtel, donc c'est des sans domicile fixe, et 2 en colocation. En fait, ensuite, les groupes d'âge, donc une personne qui était en 18 et 25 ans, 4 entre 26 et 45, et 2 entre 46, 2, 6, pardon, 4 et 2, 6 entre 46 et 55 ans. Et les types de connexions qu'elles avaient, donc au domicile individuel, donc 7 personnes avaient une connexion au domicile individuel. Donc, c'était une connexion qu'elle ne partageait pas avec d'autres personnes. Une, elle partageait sa connexion avec ses voisins ou elle demandait à ses voisins s'ils pourraient partager la connexion Internet. Pardon. Dans les hôtels et résidences, donc, c'est une connexion qui est partagée dans tout l'hôtel, le smartphone et une personne qui était la connexion principale était le smartphone. Ensuite, elles avaient toutes un abonnement au smartphone, en tout cas, enfin, pas toutes, il y en avait 8 personnes qui avaient un abonnement pour le smartphone et 4 personnes qui préféraient avoir un prepaid. Alors, celles qui sont à l'hôtel sans avoir de domicile fixe, c'est plus difficile de souscrire à un abonnement. Mais ce qui implique aussi que ça fait plus de frais d'avoir une prepaid que d'avoir un abonnement. Donc, c'est aussi des implications importantes qu'on ait à l'aide sociale de penser au type de connexion pour son smartphone. Et quand on a une prepaid, on n'a pas toujours une connexion Internet sur notre smartphone. Donc, toutes les personnes que j'ai interviewées avaient un smartphone. Elles avaient aussi toutes un ordinateur personnel et 2 avaient une tablette. Donc, pour les résultats que j'ai eus dans ces entretiens que j'ai faits, c'est quels sont les usages des outils numériques pour accéder et recevoir ces prestations sociales. Ça dépend de la relation qu'on a avec le SPI général, du rapport qu'on a à ces outils numériques et des conditions de vie en situation de vulnérabilité. Donc, j'ai pu identifier 2 types de profils que je vais vous présenter. Donc, ça, c'est les résultats de mon enquête. Donc, il y a un type de profil qui va préférer venir au guichet plutôt que d'utiliser le libre service. Donc, le libre service, c'est d'utiliser... de donner les preuves qu'on doit donner chaque mois à le SPI général pour montrer qu'on est éligible à recevoir ces prestations sociales, ils vont plutôt préférer venir au guichet de le SPI, du CAS, pour donner ces informations plutôt que d'utiliser le libre service, c'est-à-dire scanner
ces documents et les envoyer par mail à une adresse générique du CAS auquel on est affilié. Donc, il y a un monsieur, la cinquantaine, qui dit « Je ne vois pas grand monde. Si je ne m'amuse pas à faire ça, c'est-à-dire à venir au guichet, je ne vois plus personne du tout. Ils sont quand même sympas, ces gens. C'est vrai, ils sont sympas. » Donc, on voit qu'il y a un besoin de contact dans son idée de, dans son désir de venir au guichet plutôt que d'utiliser le libservice. Donc, même si ça peut être plus pratique de scanner ces documents et de les envoyer par mail, ce monsieur a besoin de voir des personnes qu'il ne voit pas beaucoup. Donc, une autre femme nous dit, c'est le besoin de contact humain. Donc, venir au guichet, voir les secrétaires sociales pour leur rendre ces documents, ça permet d'avoir un contact humain. Et un autre monsieur dit, de toute façon, on est à l'Hospice Général, il faut bien passer le temps et faire quelque chose. Moi, je parle pour moi, je suis debout depuis 5 heures du matin. Donc, on voit aussi que de venir au guichet du CAS, ça permet d'avoir une activité, de pouvoir aussi organiser sa journée. Donc là, il y a cette idée de besoin de contact humain qui est très important pour préférer venir au guichet. Et ce besoin de contact humain, il est très important pour ces trois personnes parce que les deux hommes vivent à l'hôtel. Donc, ils sont sans domicile fixe, ils n'ont pas de famille, ils ont peu de contact avec d'autres personnes. Et donc, le guichet du CAS structure vraiment leur rapport au monde, leur rapport aux autres, en fait, et leur permet d'avoir ces contacts qu'ils n'ont pas la plupart du temps selon leurs conditions de vie. Donc, on voit que les conditions de vie, donc vivre à l'hôtel, a un impact sur la manière dont on va utiliser ces outils Internet et la manière dont on va préférer venir au guichet plutôt que d'utiliser le libservice qui, pour la majorité d'entre nous, comme nous toutes et tous, j'en suis à peu près persuadée, utilisons Internet pour payer nos factures, utilisons notre e-banking ou post-finance pour payer nos factures plutôt que d'aller à la poste, eh ben, on voit que selon nos conditions de vie, ben, peut-être qu'on préférait aller à la poste, payer nos factures plutôt que d'utiliser le post-finance. Et là, je vais me permettre juste, il reste une minute. Okay. Voilà. D'accord. Désolée, c'est intéressant, mais on doit. Ok. Donc, là, au deuxième profil, c'est celui qui va préférer utiliser le libservice, mais qui a des soucis avec l'infrastructure informatique. Et c'est aussi le cas du premier profil, en fait, parce que la question du contact humain, c'est important, mais c'est aussi la confiance dans l'infrastructure informatique dont le monsieur nous dit, tant que ça ne marche pas, je préfère venir. Une autre dame, disons que si d'un côté, avec un autre monsieur, pardon, nous dit qu'avec la possibilité d'envoyer des documents par le scanner et le mail, et de l'autre, on peut se demander pourquoi vous ne pouvez pas avoir l'attestation pour le rabais TPG d'une autre façon que d'aller faire la queue au CAS. Je ne sais pas, peut-être que c'est une façon de nous avoir à l'œil, je ne sais pas. Donc on voit, enfin, ce qui est un élément important dans ce que ce monsieur dit, c'est que la question du contrôle ou le sentiment où, en fait, par le libre service, on va lâcher le contrôle des destinataires de l'aide sociale, ce n'est pas du tout un sentiment qu'on va ressentir en tant que destinataire de l'aide sociale parce qu'on va quand même nous demander de venir chercher notre attestation de rabais TPG. Donc, en fait, c'est une impression que le contrôle est plus diffus, mais qu'il est toujours là et toujours très important. Donc, ensuite, c'est l'infrastructure informatique. En fait, quand vous envoyez vos documents pour recevoir vos prestations sociales, en fait, personne, enfin, en tout cas, ce que m'ont dit les destinataires que j'ai interrogés, ne reçoivent d'accusés de réception, comme quoi on a bien reçu vos documents, ce qui est une première chose, et deux, on a bien reçu tous les documents dont on a besoin. Donc, ils peuvent envoyer tous les documents, mais peut-être qu'il en manque un, mais personne ne va leur dire. Donc, en fait, il est arrivé à ces personnes de ne pas recevoir leurs prestations sociales à la fin du mois et de ne pas savoir pourquoi, parce qu'elles n'avaient reçu aucune information comme quoi on avait bien reçu vos documents ou comme quoi il manquait des documents. Donc, en fait, des fois, certaines se sont retrouvées à ne pas recevoir leurs prestations sociales sans savoir pourquoi. Et donc, de devoir refaire les démarches, d'appeler l'AS, savoir pourquoi je n'ai pas reçu mes prestations sociales. Il s'est avéré qu'il manquait un document dans les deux cas. Eh ben, en fait, elles n'avaient pas été informées parce qu'il n'y a pas de suivi
l'infrastructure informatique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne fait pas ce suivi d'accusé de réception et de « il manque tel ou tel document ». Donc ça, ça pose un problème de transparence et de confiance dans le processus qui est très important. Et de nouveau, quand on est dans ces conditions de vulnérabilité sociale, l'incertitude accentuée par l'infrastructure informatique crée beaucoup de stress pour ces personnes. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Eva. Je te remercie. Est-ce que Vincent, il y aurait rapidement une ou deux questions? Oui, peut-être juste une question par rapport à vos observations de la situation au CAS de Carouge au niveau des bénéficiaires. Si c'était plus vous, de ce que vous observez, ce que vous avez observé, c'est est-ce qu'il faudrait plus former les bénéficiaires, donc mettre en place des ateliers d'accompagnement ou autre, ou de re-questionner justement la manière dont les prestations sont fournies. Mais c'est vrai que vous avez en partie abordé ces points-là en fin de votre intervention et j'ai l'impression que il faut faire un peu les deux. En fait, au CAS de Carouge, il y avait un atelier de scannage. En fait, on pouvait inscrire nos bénéficiaires à cet atelier de scannage pour qu'ils apprennent à scanner les documents. Et cet atelier faisait aussi office d'information sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de l'aide sociale. Donc, l'idée, c'était que dès le début, et qu'ils sont inscrits, c'est qu'ils suivent cet atelier. Ensuite, tout le monde ne souhaitait pas forcément le suivre et préférait faire toujours en papier les demandes de prestations sociales. Mais donc, il y avait une structure qui avait été mise en place pour accompagner les dépôts des documents via scanner via l'email. En fait, disons que mon argument dirait que je pense que, évidemment, il faut former le plus de monde possible à l'usage de ces outils informatiques, parce qu'on l'a vu, et on l'a vu dans la présentation de M. Cozendès, c'est que de plus en plus, c'est devenu un usage qui est complètement dominant dans les activités du quotidien pour tout un chacun. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que tout le monde n'est pas tout un chacun et qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est plus difficile selon leurs conditions de vie et selon leur manière de vivre et leur rapport au monde. Et je pense qu'on doit faire preuve de beaucoup d'inclusivité plutôt que de se laisser un peu appâter par la réforme numérique comme étant l'ouverture à un champ de possibles énorme, mais d'être toujours conscient que ça n'est pas pour tout le monde et que nous n'avons pas tous les mêmes modes de vie et tous le même rapport au monde, en fait. Donc, en fait, ça demande un peu d'imagination inclusive, je dirais, comme ça. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Il y a juste une dernière remarque. C'est une collaboratrice de l'Hospice Général qui précise que dans certains centres d'action sociale, il y a des accusés de réception, voire un feedback pour les documents manquants. Donc, on voit que les choses sont en mouvement. C'est une bonne chose. C'est vrai que je laisse la parole à Sandra pour la suite. Merci beaucoup. Oui, merci. Je vous propose, avant qu'on passe aux deux intervenants suivants, une toute petite pause de 3 minutes, juste le temps d'aller boire un café ou voilà, de vous réinstaller confortablement. Si vous êtes d'accord, restez évidemment en ligne, ne quittez pas, vous mettez juste votre caméra, voilà, enlevez la caméra et muet, et on se retrouve donc à 52 précises pour la suite. Merci beaucoup, merci Eva pour cette superbe présentation. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci.
Rebonjour. J'espère que tout le monde est revenu parmi nous. Ça a l'air. C'est vrai que si je ne mets pas mon casque, il n'y a personne qui va m'entendre. Voilà. Donc, on reprend. Maintenant, on va. Donc là, on a parlé, on vient de terminer avec la rupture numérique. Maintenant, nous allons accueillir Monsieur Jérôme Despons, membre de la coordination de direction chez Réalise, et Madame Marlise Simonin, qui est. Vous ne m'entendez pas? Leur senior à Réalise pour Marlise Simonin. Oui. Bonjour, oui, voilà, j'entends. En fait, je n'entendais pas. Excusez-moi, problème technique. Là, vous m'entendez? Oui. Oui, pardon. Alors, je reprends. Donc, je ne sais pas où, ce qui a été entendu parce que moi, je n'entendais rien. Je reprends. Monsieur Jérôme Despons, membre de la coordination direction chez Réalise, et Madame Marlise Simonin, project manager également chez Réalise. Je vous cède la parole. Super, merci beaucoup. Bonjour. Donc, on a 15 minutes pour les personnes qui connaissent. On va mettre notre minuteur hein, de Design Sprint. Et voilà, pardon. C'est et donc, super. Ravi d'intervenir dans cette quatrième session de la matinée. Hein. Très en phase aussi avec les interventions d'avant, les questions de fracture numérique, de l'impact de l'emploi, l'évolution du marché de l'emploi. Et donc, nous, on est surtout là dans cette deuxième partie de matinée. Et ensuite, avec nos amis de 42, pour parler plutôt des opportunités d'emploi, de formation qu'on peut trouver dans la question du numérique. En deux mots, Réalise travaille sur les transitions professionnelles avec des publics d'adultes avec beaucoup de compétences et peu de diplômes, et donc les accompagner à la formation et vers l'emploi. Donc voilà, en deux, trois mots, une présentation à deux voix, mais garantie 100% mesures sanitaires hein, grâce à l'outil malheureusement à la mode depuis une année hein, du plexiglas. Mmh. On espère plus voir ce produit en 2022. Voilà, ceci étant dit, pour lancer, poser le décor. Juste une petite question et se demander en fait qui a présenté, diffusé les premières statistiques du Covid en Suisse. Est-ce l'Office fédéral en charge de la statistique, le gouvernement, au travers de son ministre de la Santé, ou Google? Si vous voulez répondre dans le chat, vous avez quelques secondes. Ah, moi, je dis Monsieur Versel. Monsieur Versel, d'accord. Ouais. Donc, à voir si vous voulez suivre Marie-Lise et son choix. On verra s'il y a des réponses. Là, on n'aura pas le temps de les regarder en direct, mais effectivement... Ou non, plutôt pas, Marie-Lise, c'était effectivement Google qui a donné les premiers résultats. Vous rappelez que la Suisse compilait ses fameux fax, hein, et on ne va pas s'étendre sur toute la question de la crise sanitaire, mais être bien clair et sincère, qu'il y a eu un effet significatif sur l'accélération de cette transition en Suisse. Et si on revient un tout petit peu en arrière, dans la Silicon Valley, les grands du web notamment, disaient... Et aimait le dire ces dernières années que dans les années 2000, on va dire, l'Europe était en retard sur toutes les questions numériques et aujourd'hui, elle est très en retard. Donc, on pense que la Suisse doit être comme l'Europe, voire peut-être encore plus en retard. Voilà, donc pour revenir à l'emploi et son évolution, on peut se poser la question, est-ce un phénomène nouveau? Et comme on a vu avec la présentation d'Avenir, Avenir Suisse. En effet, il y a eu des permutations, des changements d'emploi de manière constante dans notre histoire. Mais ce qui nous semble intéressant et particulier maintenant, c'est une accélération des évolutions de la société, des métiers et de l'emploi. Donc, on peut voir, par exemple, cette accélération, on peut la voir avec l'iPhone hein, qui a vu le jour en 2007. Et puis, depuis 2007 jusqu'à ce jour, il y a presque 5 millions d'applications qui ont été créées pour iOS ou Android. Et l'impact que cela a eu sur notre façon de communiquer, d'informer, de se divertir, de travailler aussi hein, avec des groupes WhatsApp ou Telegram, etc. Donc, il
il y a vraiment une explosion d'activités nouvelles avec justement des effets sur l'emploi. Donc, on va revenir là-dessus, sur l'emploi. Je ne vais pas retourner dans les chiffres, comme Avenir Suisse nous a donné des chiffres très complets et intéressants. Simplement pour s'axer sur le fait qu'au niveau de l'IT ou de l'ICT en Suisse, à l'horizon 2028, on va avoir un manque, on va avoir besoin de 120 000 spécialistes dans l'IT supplémentaires. Et en plus de ça, on a déjà une pénurie de 7 000 informaticiens, informaticiennes CFC par année. Donc, il y a vraiment une très, très forte augmentation de l'emploi dans l'IT et le digital. Donc, 7 000 uniquement pour, au niveau des CFC, hein, c'est bien juste. Tout à fait. Et ben, dans ce monde du digital forcément mondialisé, on voulait partager donc avec vous hein, notre expérience locale au niveau de Realize. Donc voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas le bâtiment de Realize, est là, à Genève. Et donc, on voulait partager ces quelques expériences, mais vraiment rapidement. Et la première, de dire qu'en 2018, donc on a lancé une formation de développement web et applications avec bien sûr aussi toute la partie liée au e-commerce, un développement de sites de e-commerce. Mais comment on en est arrivé là? Et on pensait que c'était bien de revenir un tout petit peu sur le processus, comment on en est arrivé à cette mise en œuvre. Et ça fait plusieurs années, peut-être depuis 2015-2016, où on se pose cette question de se dire, avec l'évolution de la digitalisation, est-ce qu'il y a des emplois accessibles qui sont en croissance, en augmentation, et pas seulement pour des ingénieurs ou des personnes avec 5 ans d'expérience? Ça, on le sait qu'il y a une pénurie qui est structurelle depuis des années en Suisse. Donc, pour avoir cette réponse, on a mené une enquête auprès d'entreprises. Et voilà, en se posant la question, est-ce qu'il y a des viviers d'emploi? Et si oui, pour qui? En restant donc focalisé plutôt sur un public avec pas des hauts niveaux de diplôme. Donc, dans cette enquête, on a cherché à identifier les activités en croissance. Est-ce qu'il y a des métiers potentiels qui sont en train de se dégager? Quelles sont les compétences techniques attendues par les entreprises? Mais aussi toutes les questions soft, hein, des compétences soft, qui monte, on le sait bien, en puissance dans tous les types de jobs. Pour faire assez court donc de cette analyse, les résultats étaient vraiment assez positifs hein, sur les opportunités d'emploi pour tout le monde, ou disons pour presque tout le monde. Mais dès le moment, et c'est très important hein, de dire, c'est si on cible bien le contenu de la formation en lien avec le besoin des employeurs. Donc, des emplois accessibles sans forcément un haut niveau de diplôme, mais on peut se demander aussi, mais pour quelle raison en fait? Donc, pourquoi, comment ça se fait que des emplois qui étaient, qu'on a pu percevoir comme des emplois vraiment pour des personnes super formées au niveau tertiaire, qu'est-ce qui fait que maintenant il y a des possibilités d'emploi pour notre public cible? En fait, c'est parce que d'un côté, les technologies changent et deviennent de plus en plus accessibles. Donc, on peut par exemple penser simplement à notre ordinateur personnel, hein, ou si vous êtes de mon âge, vous vous rappelez que c'était très compliqué au fait de faire quoi que ce soit sur les ordinateurs personnels. Il fallait appeler un informaticien, alors que c'est devenu beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Et les métiers eux-mêmes évoluent, et donc il n'y a pas forcément besoin d'être ingénieur pour faire du codage. Donc, en parallèle de ces développements plus au niveau technologique, les compétences soft prennent de plus en plus d'importance et sont de plus en plus au centre. Donc, ce qu'on a trouvé dans notre enquête, c'est vraiment que dans ce domaine en rapide et constante évolution, la passion et les compétences soft ont autant d'importance que les diplômes ou que les compétences techniques. Voilà, pour se convaincre, voilà juste deux retours d'entreprises suite à l'enquête que nous avons faite. D'un côté, on a des entreprises qui nous ont dit, ben voilà, quelques-uns de nos meilleurs développeurs, au fait, ne sont pas du tout d'un domaine académique, avaient été les autodidactes et qui sont vraiment à un top niveau. Et d'un autre côté aussi, plusieurs entreprises qui nous ont dit, bon, nous, les diplômes, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment la passion, c'est la polyvalence, c'est les soft skills des personnes quand ils sont dans le recrutement.
Donc voilà, de cette analyse, on l'a dit, on a mis en place une formation développement web application et avec un focus important sur les sites, développement de sites e-commerce. Sur le format, ce qui est ressorti, c'est de vraiment un format relativement court, de 6 à 8 mois de formation, mais tout à fait intensive et qui se veut très, très pratique avec une pédagogie active de l'auto-formation, de la veille technologique. Et donc, on l'a monté aussi en soutien avec un partenaire en France qui s'appelle Simplon.co, qui est un des spécialistes de la formation pratique dans le numérique en France. Et donc, ce qui était aussi important pour nous, c'était l'accès à cette formation. Donc, on pourrait dire que cette formation, elle est vraiment garantie 0% prérequis de diplôme. Par contre, elle est vraiment 100% en mode agile et sous un modèle de travail comme dans une agence web, en fait, avec du travail avec avec des équipes, des réunions Scrum, etc. On passe un peu les détails techniques d'organisation. Et par contre, pour comment entrer dans cette formation et pour y accéder, on a mis en place des tests de codage. Et on ne va pas aller chercher l'expérience, les connaissances, mais plutôt les aptitudes, le potentiel. Et aussi la persévérance, parce que faire du code, c'est beaucoup de précision, c'est beaucoup de travail, de durée. Et c'est ça qu'on va chercher d'un côté. Et de l'autre côté, on sait que les métiers des IT ou du digital sont de plus en plus en relation avec les clients, en relation avec les équipes. Donc, on a mis aussi en place du travail de groupe pour aller chercher ces compétences soft, cette capacité à collaborer. Donc, en résumé, on va chercher plutôt des talents, des envies, que des diplômes. Au niveau des technologies, on va passer très rapidement, mais donc c'est sur les technologies les plus utilisées actuellement. Mais aussi avec un point important, c'est de ne pas rendre les gens captifs de certaines technologies, parce qu'on sait, et 42 pourra le confirmer après, les technologies avancent très, très rapidement. Et ça ne sert à rien de créer des spécialistes captifs d'une technologie et donc une capacité de passer de l'une à l'autre. En gros, de ne pas créer des intégristes, ou des ayatollahs de certaines technologies. Donc voilà pour notre expérience et... peut-être un retour concret. Un retour concret des opportunités que l'on peut voir suite à une formation du type de celle que nous faisons à Réalize. Et donc, pour l'illustrer, on a une petite vidéo qui donne la parole à une entreprise clé d'Internet en Suisse, à Infomania, qui est un de nos participants qui travaille maintenant chez eux. Qu'elle dure 3 minutes. Bienvenue, ici on se trouve dans la salle Adrock, chez Infomania Cajunev. Marc, est-ce que tu veux bien prendre quelques secondes pour... Oui, par contre, ça a démarré. Bonjour, je suis Marc Leder, le CEO d'Infomania. Pourquoi avoir créé ce partenariat entre Infomania et Réalize? Alors, on est partenaire de Réalize parce qu'on a constaté ces dernières années qu'il y a une grande pénurie pour les développeurs et en règle générale, les personnes qui travaillent dans l'informatique. Donc, on s'est dit qu'on devait agir. Nous avons engagé Maxime au support, qui a suivi la formation Réalize. Selon toi, en quoi est-ce que ce cursus lui a permis d'étoffer son CV? Alors Maxime est très très motivé dans le domaine de l'informatique. C'est vraiment un métier qui l'a toujours intéressé, sauf qu'il n'a jamais eu l'opportunité de faire des formations qui peuvent lui permettre d'aboutir sur un travail. Réalize a pu lui amener ça, un cadre dans lequel il a pu évoluer, mettre ses compétences en avant. Ensuite, grâce à Réalize, il a obtenu un stage chez nous. Donc le stage, il l'a réalisé en 3 mois. Ça s'est très très bien passé. Et ensuite, on l'a proposé un CDI. Aujourd'hui, Maxime est responsable du produit Swiss Backup. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès? Oui, tout à fait, c'est un succès. Maxime est maintenant responsable du produit Swiss Backup chez Infomania. Il fait du très bon boulot, il est super motivé et on voit que Max a radicalement changé sa vie. Pour Infomania, des formations comme Réalize qui favorisent la pratique, c'est quelque chose d'important? Tout à fait, c'est très important et ça permet justement à des personnes qui... autrement, n'auraient pas forcément osé postuler chez nous à le faire. Et grâce à la formation, ils sont confiants, ils ont confiance en eux. Et surtout, ils augmentent encore leur capacité dans le travail. Et du coup, ils viennent chez nous et c'est donnant, gagnant entre eux et nous. Je m'appelle Maxime, ça fait 2 ans que je suis chez Infomania et je suis responsable du produit Swiss Backup. Hello Maxime, est-ce que tu peux brièvement nous raconter ton parcours? Comment est-ce que tu as découvert Infomania? Alors, personnellement, je suis passionné d'informatique depuis longtemps. Mon rêve, c'était de travailler chez Infomania. J'ai suivi la formation digitale de Réalize, qui est partenaire avec Infomania. J'ai eu la possibilité de montrer ensuite mes compétences lors d'un projet pratique chez Infomania.
Et voilà, depuis aujourd'hui, ben, on me fait confiance. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as découvert cette formation chez Realize? En Realize, j'étais à l'hospice et à travers des procédures que je devais faire pour montrer que j'étais capable de venir à certaines heures, à faire mon travail qu'on me donnait, j'ai eu l'opportunité d'aller justement dans la première formation digitale de Realize. Et c'est comme ça que je suis entré du coup dans le parcours. Et enfin, à qui est-ce que tu recommanderais la formation Realize que tu as suivie? À toutes les personnes qui veulent entrer déjà dans l'informatique par défaut, c'est un bon point d'entrée. Tous ceux qui veulent faire du web, c'est de formation web, donc créer des sites internet. Donc à partir de là, c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre les serveurs, comment fonctionnent les codes de sites internet, etc. Donc c'est une très bonne entrée dans le monde informatique par défaut. Ok. Il faut juste activer le micro. Voilà. C'est bon? Oui, okay. Très bien. Donc, voilà, Infomaniac a eu la gentillesse de préparer cette vidéo pour cette intervention. Nos constats à ce jour-là, on arrive à la fin de notre quatrième volet de cette formation. Et là, on a des bons résultats avec les personnes migrantes, avec les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale, et aussi avec les personnes en reconversion santé. Par contre, on n'a pas du tout de réussite avec les seniors. Et on remarque malheureusement que c'est la même chose dans d'autres pays d'Europe, comme le relèvent en fait nos partenaires du réseau Simplon en Europe. Donc, on n'est pas les seuls. Tu peux passer? Je crois qu'on a perdu le partage d'écran. Vous voyez notre... Non, on ne l'a plus. Voilà, merci. Que là, ça marche? Ok. Super. On passe à la prochaine, de toute façon. Juste pour information, il reste 2 minutes. Oui. Ok. Voilà. Donc, pour les défis et les enjeux d'avenir, parce que tout n'est pas rose, il y a vraiment des améliorations. Surtout, on voulait relever la question de la diversité, les femmes dans la tech et puis le recrutement. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît que les équipes diversifiées au niveau du genre, du background, de l'expérience, c'est les équipes les plus performantes. Mais dans la réalité du recrutement, il y a encore un bout de chemin à faire et besoin de recruter différemment. Par exemple, recruter sans CV, c'est un exemple d'innovation dans le recrutement pour qu'il y ait plus d'ouverture pour les juniors. On passe à la prochaine parce qu'on n'a pas le temps. Alors, très, très brièvement, comme il ne reste pas beaucoup de temps, une des autres actions concrètes de Realize, donc l'essaimage de notre modèle de formation digitale ailleurs en Suisse, dans le but vraiment de diffuser, de partager et d'avoir un impact positif. Et donc, à Zurich, un premier centre qui s'est ouvert début avril, mm-hmm. C'est ça? Donc, dans un partenariat innovant aussi entre le public et l'aide sociale de Zurich, et une fondation privée, et donc qui ont co-monté ce centre. Et donc, le prochain, a priori, dans le canton de Vaud, on ne sait pas exactement où, mais avec des collègues de JobTrek, dans un modèle aussi qui mixerait l'apprentissage formel avec la qualification et une formation opérationnelle. Et donc, la suite, à voir, peut-être Saint-Gall, Lucerne, Tessin, Honolulu, non, ce n'est pas en Suisse. Et bien sûr, ouvert à d'autres propositions, si elles sont honnêtes. Donc, voilà, pour revenir sur aussi les enjeux, hein, ils nous semblent vraiment importants. On a vu toute l'évolution avec Avenir Suisse, hein, l'impact, l'évolution rapide des emplois. Il nous semble vraiment important de rester en veille. Et pour ça, on a lancé 2 enquêtes. D'abord, sur les métiers de la data, du cloud, la sécurité ou la cybersécurité, et d'un autre côté sur les métiers de la transition écologique, mais dans ce qui nous intéresse là, on va dire plutôt c'est l'éco-numérique et donc le lien entre le développement, la transition numérique et les impacts écologiques et comment on peut rassembler ça dans un cercle vertueux. Et voilà, bientôt, donc les résultats sortiront. Voilà, désolé, on aura 30 secondes de retard, Sandra. Donc, ces études seront disponibles prochainement. Et si jamais sur notre site internet, il y a une première étude hein, qui est téléchargeable. Vous pouvez juste demander l'accès.
donc sur le site de Réalise. Et donc, pour finir vraiment dans la transition, on le disait, l'importance des opportunités d'emploi, le dynamisme économique, mais vraiment d'y intégrer les questions humaines et environnementales. On parle beaucoup de Bitcoin ces derniers temps, hein, et à savoir que l'énergie nécessaire pour gérer le Bitcoin correspond à peu près à l'énergie utilisée en Suède, un pays comme la Suède. Donc, on croit néanmoins un avenir positif, mais à prendre en considération tous ces aspects, et ça pour vraiment une transition numérique qui se veut aussi locale, avec des acteurs locaux, et avec de la créativité, de l'éthique, et avec une approche vraiment inclusive. Et donc, c'est vraiment là-dessus que nous, on a envie de continuer. Et c'était aussi pour ça qu'on s'est dit, on vient volontiers pour partager notre humble et modeste expérience à Genève, mais aussi de pouvoir contribuer à l'évolution de l'emploi local et ailleurs en Suisse. Donc voilà, merci. Désolé, on a dépassé d'une minute ou une minute trente. J'espère que ça allait quand même. Non, très bien. Merci beaucoup pour votre présentation. Vincent, je te donne la parole. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir. Sinon, il y aura peut-être une question par rapport au profil des personnes que vous accueillez et réalisez pour la formation. Est-ce que vous avez évoqué les questions de la motivation, qui est absolument essentielle, aussi les questions par rapport aux compétences sociales, qu'on a bien entendu, les soft skills. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport au profil que vous recevez? Est-ce qu'il y a une grande sélection que vous devez faire? Enfin, c'est cette question de mise en lien avec les besoins des entreprises. Quel différentiel vous observez? Ouais, tu veux commencer? Je commence. Alors, au niveau des profils qu'on reçoit, du nombre de personnes, en fait, on fait une sorte de recrutement par entonnoir, c'est-à-dire qu'on cherche des personnes qui sont intéressées par la technologie. Ça, c'est vraiment le premier critère. Et ensuite, c'est là qu'on a nos tests dont on a parlé pour permettre d'identifier des personnes qui ont les capacités et qui ont vraiment cette envie et cette passion. Par rapport aux employeurs, je passe peut-être la parole, Jérôme. Par rapport aux employeurs, vraiment, ce qui est clé, c'est d'éviter un maximum un recrutement classique, hein, basé sur des années d'expérience, sur des dossiers. Donc, de permettre aux personnes d'entrer un maximum dans l'entreprise directement, puis montrer les compétences sur un projet. Donc, c'est pour ça qu'on développe beaucoup les liens avec les entreprises. On essaie de mettre en place des projets réels avec un groupe d'entreprises ou en synergie. On a aussi des projets concrets en interne. Et c'est vraiment par ces réalisations, en fait, et puis par l'envie et la capacité de s'intégrer dans une équipe qu'on voit vraiment des résultats positifs. Et c'est vrai qu'on parlait un peu des types de publics et dans le public lié à la migration, on voit quand même des résultats intéressants. Il n'y a pas des tonnes. On ne voit pas des tonnes de possibilités d'emploi en Suisse et notamment à Genève, hein, pour un public migrant. Et c'est vrai que le code est universel, donc quelque part, c'est aussi un élément positif. Hein, on voit dans d'autres pays aussi, il y a des programmes qui ont été mis en place qui sont vraiment bénéfiques pour du public issu de la migration qui vous intéresse donc aussi largement à l'Hospice Général. Et bien, à peu près 80% des participants, 70 et 80% des participants sont des bénéficiaires de l'aide sociale. Le reste, un mélange aussi du chômage. Merci beaucoup pour votre réponse. On peut passer la parole à M. Cosandet qui a levé sa main. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Vous venez de donner un élément de réponse, mais justement, il y a des gens qui viennent aussi qui ne sont pas dans un programme de réinsertion, qui viennent directement chez vous. C'est ma première question. Et puis l'autre question, vous parlez de migrants. Est-ce que c'est des migrants qui parlent le français ou c'est des migrants qui ont aussi un problème de... Alors, le code est universel, je veux bien, mais les cours se donnent en quelle langue? Quelque part, peut-être juste sur la langue d'abord, puis tu prendras l'autre partie. C'est vrai que, en fait, le français est important, mais quelque part, c'est surtout l'anglais, en fait, hein, dans ce domaine, et notamment à Genève et aussi toutes les commandes de code sont d'abord en anglais. Donc, quelque part, à choisir, mieux vaut mieux maîtriser l'anglais que le français. Après, ça va avoir un impact sur le travail en équipe. Mais effectivement, il y a des besoins de langue. On pourrait dire, mais l'anglais pour remplacer, suivant les lieux, le français, en fait. Merci pour cette réponse. Pardon, excusez-moi. Autre partie de la question de Jérôme sur
le type de public. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt sur une approche de personnes en transition, en reconversion, donc sans emploi. Mais on réfléchit et on a la volonté, s'il y a un intérêt, d'agir un peu plus en amont, parce qu'on voit en Suisse, on a tendance à agir un petit peu tard. Et en fait, dès que le mal est fait, dès que les personnes sont au chômage, et dans d'autres pays, il y a une approche beaucoup plus sur le, en bon français, on parle de reskilling ou de upskilling, et en fait d'agir avant la perte d'emploi. Et donc, on s'intéresse vraiment à cette partie-là. On l'a encore peu développée, peut-être on n'a pas beaucoup le temps, mais c'est vrai que ça fait partie de nos cibles aussi. Merci bien pour votre réponse. Nous avons une dernière intervention. C'est une question écrite qui nous a été transmise. J'ai 59 ans, passionné par l'informatique et on me dit geek. Est-ce que j'ai encore une chance? Donc, c'était toute la question de l'âge que vous avez abordée avant. Alors, c'est plus difficile pour les seniors de trouver un emploi dans ce domaine. Par contre, je pense une très grande chance. On a certains participants qui ont monté des petites entreprises, par exemple, ou qui se mettent en indépendant. Donc, il y a toujours des opportunités, mais moins facilement dans des emplois. Je crois qu'il y a Christophe, non, de l'école 42. Ah, j'ai cru que vous vouliez intervenir. Pas encore. D'accord, ok. Vincent. Alors, juste par rapport à l'âge, donc ce que vous dites, Jérôme et Marie-Lise, c'est donc que vous accueillez aussi des personnes dans certains âges, mais peut-être plus de difficultés, mais ce n'est pas totalement fermé, voilà. Votre mesure. Non, tout à fait, la mesure. En fait, nous, on est très ouverts, mais c'est en termes de résultats, et c'est vrai que ça, on le voit aussi dans d'autres pays, malheureusement. On n'a pas encore vraiment trouvé la solution. On serait ravis de la trouver. Hein. Il y a des freins là derrière, il y a un impact forcément de type de recrutement qui a un impact. Mais nous-mêmes, on est bien sûr très ouverts et on serait ravis, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas vraiment satisfaisant. Mm-hmm. Et on a ça aussi en Belgique, on entend la même chose, en France, mm-hmm. en Roumanie un petit peu différemment, mais dans nos partenaires européens, on a un peu malheureusement pour l'instant ce retour. Donc on serait ravis d'avoir une première success story. Hein. Donc à notre ami Geek, s'il veut la prochaine fois postuler et faire les tests, on serait ravis d'entrer en matière. Voilà, la perle rare. Merci. Je laisse la parole à Sandra pour poursuivre le programme. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, merci beaucoup. Donc là, on va accueillir M. Christophe Vallière, directeur de l'école 42, qui nous présente les objectifs et les particularités de cette école dite future. Merci, bonjour tout le monde. Alors attendez, je vais juste reprendre mon partage un peu mieux, c'est tout bon. Voilà, écoutez, j'ai le challenge de présenter entre maintenant et la pause de midi, encore quelques questions, je pense, après. Quelques éléments, alors j'ai un petit jeu de mots sur la situation de ce qu'on a vu. Il y a un côté moral, au sens le moral, quand on le voit et on entend un peu tous les challenges, on se dit, mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment des solutions? On a vu quelques-unes, notamment avec Jérôme de Réalise. Et puis un peu la morale de cette histoire. Alors je vais revenir sur... un combat classique, on a vu les plus et les moins, c'était un peu la thématique. Je vais juste amener cette petite vidéo. On a un combat entre d'un côté l'opportunité, d'un autre côté les exclusions. Et là, on a un petit côté fun, hein, effectivement. Et ils vont parler de la culture geek avec la question de William juste avant. Et ce qui est important vraiment, c'est de se battre. Moi, je dirais que c'est ça qui est important, de se battre un peu contre ses problèmes. Rien n'est simple dans ce contexte-là. Il y a des nouveaux métiers, il y en a qui disparaissent. Comme l'a dit Jérôme, il faut être motivé, il faut persévérer. Et malheureusement, on a un peu l'impression qu'à la fin de l'histoire, c'est pas le côté lumineux qui gagne, c'est un peu le côté obscur qui va gagner dans ce contexte-là. Et je voulais amener un élément un peu de solution. Parmi d'autres, hein, Jérôme a présenté Realize, il y en a d'autres, effectivement, dans ce contexte-là. Alors, l'école 42, je vais prendre... comme ceci. L'école 42, c'est une école qui s'adresse à eux, elle et eux, qui s'adresse à des jeunes, à des moins jeunes, à des femmes, à des hommes. On a parlé aussi, Jérôme faisait allusion à la diversité. On a pour objectif à l'école 42 de former 50% de femmes, que la question de la parité ne soit plus une question. C'est le cas dans certaines de nos écoles sur la planète. C'est le cas à Paris, alors qu'il y a 3 ans, on était à 13%. Maintenant, on est à 47-48% de candidates qui rentrent dans le cursus.
Et puis, c'est une grande diversité de l'âge. On veut offrir la possibilité à tout à chacun de pouvoir trouver sa voie dans le numérique. Mais attention, tout à chacun, mais bien évidemment, pour autant qu'on ait des compétences préalables, pas forcément scolaires, mais des compétences de capacité cognitive et aussi surtout des compétences en termes de motivation. On va revenir sur cette notion de soft skills. En quelques mots, je me suis basé sur les skills. Alors, le World Economic Forum a fait un très beau rapport qui explique un petit peu les skills qu'on doit avoir aujourd'hui dans ce nouveau monde qui change, comme l'a dit Jérôme Cosondet tout à l'heure. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment à 42 Lausanne, on travaille sur ces skills. Et les trois premières, c'est vraiment des soft skills pour nous. Apprendre à apprendre, développer des stratégies d'apprentissage. Alors nous, on a une solution assez simple. On n'a pas de prof. Donc, en fait, chacun, chacune chez nous va être obligé de développer ses propres stratégies d'apprentissage. Et quand vous êtes un profil atypique, quand vous êtes quelqu'un qui sort de l'université ou quand vous êtes quelqu'un qui a 45 ans et qui fait une reconversion professionnelle, vous n'avez pas les mêmes stratégies d'apprentissage et vous allez devoir les développer, les renforcer ou les trouver, simplement dans ce contexte-là. Vous voyez, dans notre école, en fait, on arrive à développer ceci simplement en mettant les gens face à eux-mêmes avec des amis, ça c'est un élément qui est important, c'est qu'on a une école en présentiel, on parlait tout à l'heure du matériel avec Christian de Lezéo. Oui, tout le monde n'a pas du matériel ou encore on n'a pas du bon matériel quand on en a. Est-ce que j'ai une bonne connexion Internet? Donc, c'est aussi pour ça qu'on est une école en présentiel. Alors, aujourd'hui, une école digitale en présentiel, ça fait bizarre. Mais quand on veut développer les soft skills, c'est comme ça que ça fonctionne. L'autre élément, c'est la créativité. Et bien, en fait, quand vous n'avez pas un prof qui vous explique comment il faisait avant, vous êtes obligé d'inventer la solution à un nouveau problème. Donc, c'est comme ça qu'on développe la créativité, en ne donnant aucune solution, en disant, il faut faire ça, débrouillez-vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui crée de l'originalité, de l'esprit d'initiative dans ce contexte-là. Et puis, l'autre élément, c'est la résilience. Eh bien, en fait, on développe la résilience en amenant nos étudiants à se fracasser régulièrement contre le mur, à avoir régulièrement zéro à un examen, parce que quand c'est faux, point. On parlait de persévérance, c'est vraiment cet élément-là qui est important. Et en fait, on est une école du droit à l'erreur, mais on est plus que ça, on est une école de l'obligation de faire des erreurs pour apprendre. Et en même temps, on est une école de l'acceptation de l'erreur, c'est-à-dire que c'est normal de faire des erreurs, c'est pas grave, on est dans un environnement qui est safe dans ce contexte-là, et ça crée de la résistance au stress, ça crée de la flexibilité de se dire, ok, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je recommence deux fois, trois fois, quatre fois. Ça, c'est possible parce qu'on n'a pas un groupe qui suit un cursus. On n'a pas de prof, donc on n'a pas de cours, donc chacun va à son rythme. Donc, si à un moment donné, j'ai un problème et il faut que je refasse six fois le test pour que ça marche, ben, je le refais six fois. Alors que dans les structures classiques qui ont cette contrainte du groupe, ah, tu as loupé le test, bah, désolé, il faudra réviser, mais pour l'instant, on doit avancer. Problème qu'on n'a pas dans notre école. Autre élément de skills, les compétences analytiques et d'innovation. Alors, bien évidemment, on est une école technique, donc on va développer ces compétences-là, notamment en disant, bah, voilà, tu dois faire ça, comment tu vas le faire? Et les gens vont travailler à développer ces compétences-là. Et du coup, ils vont aussi développer les compétences critiques parce qu'il y a un autre outil qu'on met en place, c'est le côté revu par les pairs. C'est-à-dire qu'on doit systématiquement faire revoir notre travail par au moins deux à trois personnes. Et donc, chacun va revoir le travail de l'autre. Et ce n'est pas les gens qu'on aime bien, c'est des gens tirés au hasard. Ce qui va nous permettre, en fait, de développer un esprit critique, un esprit d'analyse pour essayer de comprendre ce que l'autre a voulu faire et aussi de s'adapter à une autre manière de travailler et développer un peu ses compétences. Et enfin, bien évidemment, le raisonnement, le problème solving. On est une école sans cours, on est une école sans théorie, on est une école de projet. Jérôme en parlait avec Réalès, c'est la même logique pédagogique. Voilà, vous avez un projet à faire, faites-le, débrouillez-vous. Vous allez trouver des idées, etc. Vous êtes 150 ou 200 élèves. Alors, on est une école avec de grandes quantités parce que pour trouver les bons contacts, il faut avoir pas mal d'élèves dans ce contexte-là. Puis enfin, bien évidemment, alors je finirai avec ces deux éléments, les technologies. Voilà, on est une école de la technologie. C'est le troisième élément, ce n'est pas le plus important. Les technologies, elles changent. D'accord? Mais apprendre à apprendre une technologie, apprendre à utiliser une technologie, apprendre des compétences de design, de conception, c'est un élément qui est intéressant. Alors, il y a deux compétences que je ne souligne pas. Complexe problem solving, pour moi, on est à un niveau académique. Et on n'est pas une école académique. On forme, nous, des cols bleus. On ne forme pas les cols blancs. On forme les doueurs, les gens qui sont entre les ingénieurs de haut niveau et puis les ouvriers. On est dans cette logique-là. On laisse cette partie-là à des gens qui ont fait les PFL ou autres. Et puis le leadership et l'influence sociale, on va être honnête, c'est de naissance.
Alors, effectivement, si vous avez cette capacité-là, on va la développer, vous allez la renforcer, vous allez peut-être acquérir un petit peu, mais ça, c'est, je crois plus sur cette capacité d'origine dans ce contexte-là. Alors, tout ça, cette école, elle fait quoi? En fait, je dis que c'est une école, parce qu'on ne sait pas quel autre mot lui dire, nous, on appelle plutôt ça un écosystème apprenant. C'est une école qui est gratuite. Alors, ça, c'est un élément intéressant, c'est que pour financer cette école, il a fallu aller chercher l'économie et leur dire, vous avez besoin d'informaticiens? OK, mettez l'argent sur la table, parce que si vous ne payez pas, c'est que vous n'en avez pas besoin, donc ça ne sert à rien qu'on les forme. Première chose. Deuxième chose, si vous payez et que vous êtes acteur, vous allez nous dire de quoi vous avez besoin et on va avoir un lien très, très fort avec le monde de l'économie. On avait Infomaniac comme exemple qui est un de nos partenaires. Il y en a d'autres, Swisscom et compagnie. C'est un élément qui est très, très important pour nous d'être en contact régulier avec l'économie. Pas très requis de diplôme non plus. N'importe qui peut venir. Je n'ai pas fini l'école, ce n'est pas grave. J'ai fait un CFC de menuisier, ce n'est pas grave. J'ai un master, ce n'est pas grave non plus. D'accord, tu n'es pas plus intelligent si tu as un master, tu as juste plus de chance peut-être dans ta vie. Donc ça, ce n'est pas un problème dans ce contexte-là. Pas de professeur, je l'ai dit. Alors c'est bien, hein, parce qu'en termes de budget, pas de professeur, ça change pas mal. Hein, on a des étudiants qui nous coûtent 3 000 francs par année. Et moi, je viens de la HESSO, c'était 25 000. Alors bien évidemment, ce n'est pas le même job, on ne fait pas la même chose. C'est quand même une formation aussi qui fait entre 2 et 5 ans, hein, en fonction de la durée. Donc on n'est pas sur une formation courte. On forme des informaticiens complètement sur plusieurs très métier, on va dire, dans ce contexte-là. Mais par contre, pour que ça fonctionne, on est basé sur la coopération. Aujourd'hui, on forme des gens à travailler en équipe. Ce n'est pas le geek solitaire qui est super intelligent, mais qui ne parle jamais autour de lui. Ce n'est pas ça qu'on forme. On forme des équipes qui sont capables de travailler ensemble, de construire et de relever des projets basés sur l'excellence. Il faut que ça marche, il faut que ce soit juste. Et ça, c'est un élément important. Et les sélections qu'on fait, on parlait avec Jérôme, on parlait de sélection, on a un peu cette même logique. Bah, les sélections font qu'on prend des gens, quels que soient les gens, hein, donc ce n'est pas uniquement des gens qui sont en réinsertion, on a des gens, des jeunes de 18 ans qui sortent de CFC ou autre, on a vraiment tous ces éléments-là, mais on va les sélectionner pour leurs compétences et leurs motivations. On a aussi une dizaine de personnes de l'Hospice Général qui sont aujourd'hui dans la deuxième phase de sélection parce qu'ils ont les compétences, ce n'est pas un cadeau du tout, au contraire, et ils vont devoir faire preuve du même niveau d'excellence, c'est ce qui est gage de réinsertion aussi dans le futur. Et pour ça, on utilise quelque chose qui est important, que vous n'avez pas de contraintes, en fait, il faut motiver les gens. Quand on est motivé, on apprend et on se rappelle de ce qu'on apprend. Et pour ça, on utilise le jeu. On utilise ce qu'on utilise depuis qu'on est gamin. Quand vous avez appris à marcher, c'était par jeu. Quand vous avez appris à jouer au vélo, c'était par jeu. Vous n'avez personne qui vous a fait un cours. D'accord ? Donc, vous avez essayé, vous êtes fracassé 3 fois, vous êtes blessé, vous avez pleuré, vous êtes relevé, puis à la fin, vous avez appris à faire du vélo. Et ce qui est génial, c'est que 10 ou 30 ou 40 ans après, vous vous rappelez encore parce que ça vous a marqué cette expérience. Et nous, on utilise cette technique de jeu, de motivation pour vraiment marquer les esprits. On est vraiment sur différentes expériences. Expérience, non seulement on est une école, bien évidemment, donc vous savez ce que c'est, on crée un environnement, on travaille dedans, et on a en fait ces expériences entre l'école et le monde de la cité, le monde académique, le monde économique, le monde social, politique, etc. Donc on est en train de créer des éléments qui permettent de se faire rencontrer ces mondes, que nos étudiants comprennent pourquoi on les fait bosser comme ça, parce qu'il y a des besoins derrière, et puis que bah, les acteurs, on parlait de recrutement, bah, justement, c'est qui ces zèbres dans cette école 42, ils font quoi, comment je peux les intégrer, quel stage, etc. Après à peu près une année de formation, on a un stage de 4 à 6 mois, 50% finissent par signer un contrat d'emploi après le stage, d'autres vont continuer et on a 100% d'emploi à la fin de notre formation. 20% vont créer leur entreprise, indépendants, start-up, etc. Et 80% vont rejoindre des entreprises. Et puis, comme je voulais le dire, peut-être pour finir là-dessus, ou presque, on est au sein d'un écosystème, c'est-à-dire qu'on n'est pas concurrent, etc. Et Jérôme l'a cité plusieurs fois 42, il y a plein d'acteurs, il y a un besoin tellement énorme, vous avez vu les chiffres dont on parlait, je veux dire, il n'y a aucun problème, on va bosser avec les PFL, avec la HES, l'Uni, Realize, le Wagon, etc., tous les partenaires, il y a plusieurs manières de se former dans le numérique, on en est un parmi d'autres. Et je finirai juste sur ceci, ce qui est important pour nous, c'est d'oser tenter sa chance, d'oser poser la question, vraiment, d'oser changer aussi, et ça, c'est un autre élément, changer la manière de recruter, changer la manière de se former, changer la manière de travailler. Et in fine, on le fait en travaillant ensemble, au sein d'une école avec les copains et les copines qui travaillent là, avec le monde économique, avec le monde politique, avec le monde associatif, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et il y a cet esprit, ça c'est l'autre truc dont on n'a pas encore parlé, il y a un esprit digital. On change, on forme les gens différemment, on travaille différemment, on attend des gens des comportements différents aujourd'hui. Et ça, c'est le plus dur. La technique, c'est facile. Changer l'état d'esprit, c'est très, très dur.
aussi bien chez nos étudiants que chez les recruteurs, que chez les entreprises qui veulent des gens qui font exactement le niveau qu'ils veulent sans faire d'efforts. Et ça, je leur dis, ce n'est pas possible. Il y a 30 ans, quand vous vouliez un informaticien, vous engagez quelqu'un de compétent, vous le formiez 3 mois et puis vous le faisiez évoluer dans votre carrière, dans sa carrière. Aujourd'hui, on veut exactement le profil qu'on veut, prêt, opérationnel, sans faire d'efforts. Ce n'est pas possible, il n'y en a pas. Où il y en a tellement peu qui sont super chers. Donc, il faut changer un petit peu cette manière d'aborder le recrutement dans ce contexte. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas s'il y aura une ou deux questions aussi dans ce contexte-là. Merci beaucoup, Christophe. Très intéressant. Tu as bien synthétisé ce qui est dans quoi il faut qu'on aille les années à venir, quoi, à venir tout maintenant même. Donc merci beaucoup. Vincent, je te laisse la parole pour voir s'il y a des questions. Oui, merci pour la présentation. Donc, je peux aussi vous permettre, les participants, de lever la main si vous voulez prendre la parole. Nous avons une remarque déjà. Merci à Solange qui cite Jacques Brel. La vraie liberté, c'est avoir le droit de se tromper, en faisant suite à ce que vient de nous dire Christophe. Une personne aussi témoigne du fait que selon les situations que rencontrent les personnes, elle parle de situations de deuil, eh bien, il y a une perte des capacités d'utiliser les outils informatiques, on peut bien l'imaginer, et elle nous met un témoignage par rapport à son expérience là-dedans. Je ne sais pas si vous rencontrez ce type de situation où tout d'un coup, en fonction de ce qui se passe dans la vie privée, les personnes d'un coup, ont des difficultés, perdent leurs moyens par rapport à des compétences qu'ils ont peut-être acquises. C'est un gros défi, hein, le côté confiance en soi, parce que c'est de ça dont on parle fondamentalement. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour tenter des choses différentes. Et je dirais, il y a deux situations. Des gens qui aimeraient rentrer dans l'école, effectivement, c'est difficile. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des partenariats. Je parlais de l'Hospice Général, on discute avec d'autres acteurs comme l'ORIF, etc. Parce que nous, ce n'est pas notre métier d'accompagner les gens. Nous, on les sélectionne, on les forme et on fait ça bien. Et puis d'avoir des partenaires qui arrivent à les faire venir là-dedans. Après, effectivement, il faut créer... remonter un peu cette confiance en soi pour tenter sa chance. Et nous, on dit une chose qui est importante, c'est que tout le monde a sa chance. Alors, à la fin, peut-être qu'on a que 10% de gens qui sont sélectionnés, mais on a au moins tenté sa chance. Après, il y a l'autre facteur, parce que ce que vous avez décrit, ça arrive aussi quand on est en formation. Et nous, ce qui est très important, c'est que les gens ont le temps de prendre leur rythme. Et quand on est des gens qui ont une situation de vie compliquée, un profil atypique, une situation peut-être médicale, voilà, ou une situation familiale, simplement, si je ne peux pas venir, je ne peux pas venir, ce n'est pas grave, je viendrai demain, je viendrai la semaine prochaine. Si j'ai besoin de 2 mois de pause, je prends 2 mois de pause, parce qu'il y a des fois des moments où, alors peut-être que j'ai la chance de retrouver un emploi, donc je vais y aller, je vais faire, je vais mettre en stand-by la formation, et puis si je tiens les 3 mois d'essai, c'est déjà super cool, et puis voilà, je peux pousser, puis peut-être que je vais pouvoir faire la formation le soir, le week-end, ou bien je la pousse un petit peu plus loin, ou je l'arrête simplement, parce que tout ce qui est appris est déjà appris. Voilà, la souplesse, cette adaptation au rythme de chacun, c'est à ça qu'on croit. Quand on est dans le système, c'est aucun problème. Pour rentrer, il faut quand même montrer qu'on a encore cette motivation. Et là, j'ai des gens à qui je dis des fois, attends, c'est peut-être pas le moment, attends peut-être l'année prochaine. Alors, je sais que pour certains, c'est pas facile, mais voilà, trouver le bon moment pour tenter sa chance. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous avons plusieurs messages qui nous arrivent avec beaucoup de félicitations, des bravos, et puis des questions par rapport à est-ce qu'il y a un programme spécifique pour les enfants ou les adolescents ? Malheureusement, pour des raisons pratiques, notre formation est réservée à des adultes, ce qui nous permet d'avoir aucune contrainte et de faire ce qu'on veut. D'accord ? On a ouvert 2 places d'apprentissage pour des jeunes de moins de 18 ans pour permettre d'accueillir encore un maximum de personnes. Non, pour l'instant pas. Il y a d'autres modèles qui existent pour des jeunes, notamment sous forme de camps, etc. On va faire des partenariats avec d'autres associations pour accueillir des camps d'initiation au code, plutôt pour faire découvrir ce métier-là. Mais voilà, mais effectivement, on a pour l'instant en tout cas cette contrainte d'avoir des personnes majeures. D'accord, merci pour cette réponse. Nous avons aussi une réaction avec la situation de beaucoup d'agences de communication à Genève qui passent par des développeurs en Roumanie ou en Lituanie. De plus en plus de compétences qui se pratiquent par télétravail peuvent être délocalisées. Sunrise a son service, par exemple, à support à Pristina. 700 collaborateurs. Le risque à l'avenir n'est-il pas que les postes en télétravail peuvent être délocalisés ?
Alors, honnêtement, vous m'auriez posé la question à 10 ans, je vous aurais dit ouais, effectivement, c'est un super risque. Et en fait, la tendance, elle est complètement différente. Aujourd'hui, on est obligé de délocaliser. On n'a pas les informaticiens ici, point. Je veux dire, c'est une question de survie. On a un vrai enjeu à ce niveau-là. Maintenant, la réalité de la délocalisation, c'est que ça va pour certaines tâches, dans certains contextes d'entreprise. Et quand vous voulez faire de l'agilité, ce dont tout le monde parle dans mon métier, vous devez avoir les gens sous la main, vous devez pouvoir bosser avec eux. Alors, après qu'ils soient en Valais, à Delémont, à Lyon ou en Roumanie, c'est une question d'heure d'avion, hein, encore, je suis des fois plus rapide en Roumanie qu'à Delémont, mais je veux dire, fondamentalement, on est dans un monde globalisé. Mais on a besoin de monde en Suisse, en France, en Allemagne, en Italie, partout. Je veux dire, le problème qu'on a en Suisse, on l'a partout. Le problème de la formation, on l'a partout. Donc, en fait, voilà, c'est simplement on délocalise parce qu'on n'a pas d'autre solution. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a un tel besoin de renouvellement, il y a un tel besoin de faire ceci qu'il faut aller de l'avant dans notre contexte local. Après, il faut aussi, et c'est le message de nos entreprises, il faut aussi être souple dans ce contexte-là. C'est bien beau de se plaindre, mais il faut aussi faire des efforts, prendre des gens en stage, les faire venir, accepter les gens d'un certain âge, accepter les gens différents. Mais il y a les entreprises qui l'ont compris très clairement, et celles-ci vont survivre, et d'autres ne l'ont pas compris. Et honnêtement, je serais eux, je me ferais du souci. Merci beaucoup pour ces réponses. Encore une question de Evanada, je ne sais pas si elle veut aussi prendre la parole au cas où pour compléter, mais elle se pose la question de l'ancrage dans la réalité des personnes. Je ne sais pas si elle faisait référence à la perte de confiance de certaines situations ou pas. L'ancrage, Eva, peut-être juste pour que je comprenne la question. Oui, parce que enfin, votre présentation de cette école, de la manière dont vous fonctionnez, enfin, en tout cas mon sentiment, c'était très joli et un peu idéaliste, mais je n'entendais pas beaucoup les élèves derrière, les personnes qui viennent et dans quelle réalité elles sont inscrites et comment vous les accompagnez dans leur réalité de vie, en fait. Alors, nous, on est, on, alors, je pourrais être tout à fait clair, on est une école qui prône la responsabilité et l'autonomie, c'est-à-dire qu'on ne les accompagne pas, on est là, on les accueille, on les amène à se challenger, à avancer. Donc, on travaille de cette manière-là. On a une équipe de coachs, on est à peu près 5-6 coachs dans l'école de Lausanne pour des volées par année de 150 à 200 étudiants. Donc, vous voyez, on n'a pas le temps de s'occuper de chacun. C'est pour ça que je précise bien pour les personnes qui sont des gens qui ont besoin d'un accompagnement. Il y a des structures qui le font, ce n'est pas nous. Et on travaille plutôt avec ces structures dans ce contexte-là. On est là pour leur permettre de créer un environnement d'apprentissage par eux-mêmes et avec leurs collègues, en créant de la motivation. C'est notre job, on fait ça, on ne fait pas plus que ça. Mais par contre, c'est déjà important dans ce contexte-là. Après, pour répondre à votre question, la réalité qu'ils vivent, il n'y a qu'à les voir sur YouTube, vous tapez étudiant 42 et vous les écoutez. C'est une école différente. Donc, on a beaucoup de gens qui cherchent cette différence-là. C'est une école de la liberté où il n'y a pas de cadre, où il n'y a pas un vieux gars qui vous explique comment ça fonctionnait à son époque. Et il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il y a des gens qui ont besoin de ce cadre, qui ont besoin d'une structure, et il y a plein d'écoles qui le font. Donc, voilà, nous, on s'adresse vraiment à cette partie-là. Ces gens qui sont pas dans ce globalement tout va bien, on va s'en sortir, mais dans cette individualité que moi, je n'ai pas de solution aujourd'hui dans ma vie et j'aimerais trouver ceci. Et puis en même temps, on est conscient qu'on laisse plein de gens au milieu du passage parce qu'on les sélectionne de manière très, très, très stricte. Et il y a pas mal de gens qui aimeraient venir dans l'école. Aujourd'hui, on a à peu près 2000 candidats qui veulent venir cet été. On en a 450 qui ont réussi le premier test, mais ça en fait encore un paquet qui ne sont pas là. Et puis à la fin à la phase sélection de cet été, on va en garder 200. Donc voilà, donc on n'a pas la solution à tout le monde, on a un morceau de solution, c'est pour ça que je parle d'écosystème. Jérôme avec Realize, on a un autre, la HES ou d'autres, il y a différentes possibilités et on essaye d'amener une partie en tout cas de réponse à certains profils et on n'a pas la prétention de tout résoudre malheureusement. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup, effectivement, pour cette réponse et ces échanges. Donc, l'idée maintenant, c'est d'ouvrir le débat non seulement sur la dernière intervention de l'école 42, mais aussi des précédents intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, levez la main pour aborder un thème ou un autre par rapport à tous les sujets qui ont été présentés durant la matinée. Il y avait Monsieur Cosandet qui avait levé la main, ah, bah, mais elle n'est plus levée. Je ne sais pas si c'est une erreur de manipulation ou.
Si. Parce que avant de prendre la parole, je vous dis que vous changez de. Mais je voulais juste rebondir ce que dit Christophe tout à l'heure à propos de la délocalisation. Et c'est vrai qu'on voit toujours la menace, mais c'est aussi l'opportunité. Il y a plein de modèles d'affaires. Si vous devez tout développer ici, si vous devez avoir toutes les chaînes de valeur de votre idée d'affaires ici, peut-être c'est trop cher. Et la possibilité d'avoir justement une partie de votre équipe qui est délocalisée, ben ça peut vous permettre de créer quelque chose ici en Suisse. Donc, il ne faut pas toujours voir ce qui disparaît, mais là aussi, encore de risques qui pourraient apparaître. Et ces technologies, ces frais plus bas et cet accès au personnel que mentionnait Christophe, ben ça peut proposer aussi des opportunités ici qui n'auraient pas été possibles si on avait besoin de ces informaticiens sur place. Voilà, c'est juste un complément pour rebondir. Merci. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas aussi à lever la main pour les autres intervenants, pour leur poser des questions ou utiliser le chat. Pour l'instant, on a encore des questions pour l'école 42, un intérêt important apparemment. Donc, combien êtes-vous à l'école 42? Quelle est votre source de financement? Alors, l'équipe, on est 5-6, on est une toute petite équipe. On a un financement totalement privé, c'est un choix qu'on a fait, parce que les moyens publics doivent déjà être utiles pour tout ce qui existe, il faut continuer. On a des entreprises comme Swisscom, Coca, Infomaniac, Remonde Énergie, par exemple, qui nous soutiennent. C'est du mécénat, on est une association reconnue d'utilité publique aussi. Voilà. Mais c'était important pour nous d'avoir ce lien avec l'économie, avec l'argent d'un côté, bien évidemment, mais aussi avec cette réalité, ce besoin, et ce lien fort avec le marché. Et ce qui est important, et des fois ça étonne, hein, toutes les structures d'assistants, on dit « Ah, mais ça coûte combien ?» Je dis « Ça coûte zéro, même pour vous. » Mais oui, même pour vous, point, ça coûte zéro. Donc, effectivement, par contre, faites votre job, continuez à le faire pour tous ceux qui ne peuvent pas venir dans cette école-là. Et puis, nous, on a l'économie qui finance, c'est une chance qu'on a et c'est le modèle qu'on veut avoir au sein de 42 Lausanne, qui est une des, aujourd'hui, 28 écoles 42 dans le monde. Et on a ce modèle-là à peu près partout. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on a une question sur… On a 42 Lausanne, à Caen 42 Genève. Ça fait je vous rappelle que Genève, c'est la banlieue de Lausanne, fondamentalement. On parle d'un monde où on vient de parler de la Roumanie et vous voulez me dire, il y a quoi, 45 minutes de train? Et il ne faut pas rigoler. Non, on s'est mis à Lausanne parce qu'on couvre toute la Suisse romande. La vraie question, c'est à Caen 42 Zurich. Ça sera l'année prochaine. Mais effectivement, non, on ne va pas venir… D'abord, il y a Lyon, il y a Lausanne. On considère qu'en termes de taille, on a une école à 150-200 élèves par année. Voilà, il faut qu'on aille le bassin romand. Après, si ça explose, effectivement. Après, trouvez-moi un loco pas cher à Genève, je viens. C'est le problème. À 3000 francs par année par étudiant, il faut qu'on fasse des choix. Merci pour votre réponse. Je passe la parole à Eva Nada qui a levé sa main. Voilà, j'ai remis le micro. Merci beaucoup. J'ai une question sur cet aspect compétitif qui est aussi un des fondements de l'école 42, si j'ai bien compris. Compétitif, oui. Oui, OK. Mais la compétition, ça renforce beaucoup les inégalités sociales, en fait, ce qui a été beaucoup montré par la recherche en sociologie, et ça dégrade aussi les conditions de travail. Alors, comment vous vous positionnez par rapport à ça et voilà. Ah, je vous donne un exemple simple. Au mois de mars, je suis arrivé à Paris faire la piscine. Il y avait 300 élèves. Il y en a 100 qui allaient survivre. Je suis arrivé à 9h, j'ai regardé mon ordinateur, je n'ai rien compris, honnêtement. La miss à côté de moi, à droite, la première chose qu'elle a fait, plutôt que de me laisser couler, elle m'a dit « Tu ne sais pas quoi faire, tu as une question, viens. » Elle s'est déplacée, elle est venue m'expliquer. Parce qu'elle a compris une chose, c'est que dans notre monde compliqué, c'est ensemble qu'on gagne, tout seul on perd. Donc nous, on sélectionne les gens sous ces capacités-là. Si vous voulez être le meilleur, vous tout seul, vous perdez. Si vous voulez être une bonne équipe, voilà. Donc nous, on a cette capacité de compétition, de coopération qui est là. Il faut être les meilleurs, mais pas faut être les meilleurs tout seul, il faut être collectivement les meilleurs. C'est un nouveau modèle et ça, c'est un élément qui est très important et c'est une ADN, on parle d'intelligence collective et ça s'appelle la diversité. Je parlais de résilience. La personne qui n'a jamais eu de problème dans sa vie, ses parents, ça allait bien, il a de l'argent, il a réussi l'école, etc. Bah, quand il arrive dans notre école, il pleure parce qu'il s'en prend plein la gueule, honnêtement. Alors que celui qui a une expérience de vie où ça a été dur, ses parents ont divorcé, problème, il n'a pas fini l'école, etc. Lui, il est déjà formé, il est déjà prêt à ça. Donc, les inégalités sociales, dans ce contexte où on a de la résilience, où on travaille, où on valorise la diversité, ça marche.
Moi, j'ai l'expérience que j'ai faite dans l'école 42. Je sais que c'est difficile à croire et j'avais de la peine à le croire avant d'aller le voir, pour être tout à fait honnête. Donc, on fait venir les gens. Vous voulez venir, il n'y a aucun problème. Dès cet été, on va être ouvert sur Lausanne. Mais effectivement, il faut voir ceci. Je parle des profils atypiques, hein, des gens qui ont de la peine à comprendre pourquoi les gens autour d'eux qu'on parle ne pensent pas de la même manière. J'en ai croisé plein à Paris à l'école 42, puis ils me disent « mais moi, je ne me sens pas jugé ». Vous imaginez un profil atypique qui, socialement, est un peu isolé, vous le mettez au milieu de 200, 300 personnes, et ils se sentent bien parce qu'ils ne se sentent pas jugés. Donc, c'est vraiment une culture qu'on met en place dans l'école qui est vraiment importante. C'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui 25% de candidates à Lausanne, qu'on est arrivé à 47% à Paris. C'est pour ça qu'on a une moyenne d'âge de 28 ans, le plus vieux. Alors, on est à 55 ans pour l'instant dans les plus vieux inscrits. Donc voilà, donc, et ça crée de la différence. Et moi, je discutais avec des gens de 48, 49 ans, donc de mon âge à peu près, qui me disaient, moi, je suis arrivé dans cette école, je croyais que j'étais fini. Puis en fait, tous les petits jeunes, ils sont venus me poser des questions, puis j'avais les réponses à leurs questions. Et ça m'a fait du bien au moral. J'avais l'impression que je servais à quelque chose. Puis après, du coup, quand je leur demandais de m'expliquer le web, ça, je ne connais pas, eh ben, ils m'expliquaient, puis ça, on partageait. Et ça existe. Chez nous, c'est comme ça. Je sais que c'est difficile à croire. Je comprends. Je viens d'un monde où je ne voyais pas. Et honnêtement, ça marche. C'est possible parce qu'on a des sélections très, très strictes et qu'on garde les gens qui ont cet esprit-là aussi. Il faut être tout à fait honnête. Ok, merci beaucoup pour votre réponse, mais en fait, la question des inégalités sociales, vous ne l'adressez pas directement dans votre réponse, et en fait, par votre sélection très stricte, c'est aussi une manière un peu de renforcer ces inégalités sociales, alors peut-être sur d'autres dimensions que celles de l'école classique, si je le dis comme ça, mais est-ce que ça ne renforce pas un peu d'autres inégalités ou... Ah, on crée d'autres inégalités, ce n'est pas les mêmes que les autres, mais moi, je ne peux pas tout résoudre, fondamentalement. Je vais être honnête, il y a des gens qui viennent de tous les milieux, qui ont toutes les origines. Maintenant, effectivement, je crée des inégalités parce que je n'accepte pas tout le monde et je fais cette sélection. Par contre, je le fais au début, c'est-à-dire c'est un examen d'entrée, et après, j'ai 100% qui ont un emploi. Alors, des fois, on accepte tout le monde à l'entrée, et puis après, on n'a que 70% qui ont un emploi. C'est différents modèles. Mais effectivement, le fait qu'on sélectionne crée de l'inégalité. Il y a ceux qui auront la capacité de venir ou pas. Simplement, cette capacité n'est pas basée sur une compétence scolaire, sur la richesse de nos parents ou sur le parcours qu'on a fait avant. Elle est basée sur un état d'esprit, une manière de penser et une motivation. Voilà. Mais effectivement, ça crée des inégalités parce qu'il y a une phase de sélection. Alors, si je vais juste... La motivation et l'état d'esprit, elles se fondent sur quoi? Sur aussi d'où on vient. Ça ne tombe pas du ciel. Enfin, je m'arrête là, ensuite. Oui, tu peux pas, je ne peux pas dire autre chose que oui. Merci pour ce dialogue. Monsieur Vanière, il y a aussi une question qu'on a entendue par rapport à que vous avez mis en place ou vous êtes en train de mettre en place un partenariat avec l'Hospice Général pour créer une formation adaptée. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors, ce n'est pas une formation adaptée, en fait, c'est une formation, c'est l'intégration de personnes qui sont aujourd'hui suivies au sein de l'Hospice Général dans le cursus 42, avec cette capacité d'abord de pouvoir le faire, d'être informé, d'abord quand même de garder ce lien avec l'Hospice Général et tout ce qui se passe autour de l'aspect de la formation que nous, on ne peut pas fournir dans ce contexte-là. Par contre, et j'insiste vraiment, hein, en fait, il n'y a pas de cadeau. Les gens qui ont passé le test, ils ont passé le test, il y en a qui ont loupé. Quand ils vont faire la phase de sélection, ils vont la réussir et donc ils ont la même valeur que les autres. Ils n'ont pas eu de cadeau dans ce contexte-là. Et ça, c'est un élément qui est important. Ce qui est important pour nous, c'est quand même de connaître l'historique des gens. On parlait de ce manque de confiance qu'on peut avoir à un moment donné quand on a une rupture de vie, quelle qu'elle soit. Bah, effectivement, c'est important qu'on le sache. C'est important que des gens puissent les aider. Ce n'est pas de nouveau notre métier. Et puis après, une petite différence, mais alors elle est légère, c'est que j'ai parlé d'un stage après une année de formation. Nous, on fait des stages de 4 à 6 mois. Avec les bénéficiaires de l'hospice, on va faire des stages de réinsertion sous forme d'un contrat de 12 mois avec soutien à l'entreprise pour vraiment être dans une logique de réinsertion rapide. Donc, ce qui est quand même l'objectif de tous les bénéficiaires et puis du système autour. Merci beaucoup pour votre réponse et ces éléments très intéressants. Juste, on va aborder la fin de la matinée. Mais oui, il y avait juste M. Lopez qui souhaitait intervenir. Très rapidement, j'ai trouvé le... On ne vous entend pas très bien. Oui, alors excusez-moi. Là, c'est mieux. Voilà. Merci. Écoutez, j'ai trouvé les interventions et le débat assez passionnant.
je vais prêcher un peu pour notre paroisse en nous disant que c'est en fonction des problématiques qu'on va trouver certaines solutions. Nous, nous sommes confrontés, nous, aujourd'hui, en tant qu'organisation, à 40% des gens qui n'ont pas d'ordinateur, et dans le cadre du chômage et dans le cadre de l'hospice, on doit pouvoir trouver un travail, non pas dans un an, dans deux ans, c'est-à-dire avec des formations très longues, ce qui est génial. Donc ça, moi, j'appelle ça de la stratégie à long terme, mais les personnes doivent être placées demain, si possible, ou hier, très souvent. Donc, que fait-on concrètement par rapport à cette problématique ? N'est-ce pas ? Moi, c'est ça les questions, je dirais, concrètes hein, auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Les gens n'ont pas de quoi scanner leurs documents, les gens sont à la maison, parfois ils sont confinés. Vous téléphonez dans une entreprise, bah, ce n'est pas toujours super. Vous devez envoyer un document, vous devez vous connecter pour savoir que fait l'entreprise. La personne doit s'inscrire concrètement à e-démarche, à Jobin, à 40 plateformes données ou offertes par l'État, mais ils n'ont pas les outils, ni les moyens, ni les compétences pour pouvoir le faire. Ce sont des questions extrêmement ponctuelles, précises, qu'on doit régler aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ensuite, il y a les stratégies à long terme, et là, je rejoins M. Cossandé, l'intervention de Christophe, des deux Christophe réalisent également, Jérôme, pardon, en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait sur le long terme pour répondre aux besoins de l'économie ? Et là, je trouve ces expériences géniales, positives, et qu'il faut continuer à accentuer. Mais pour l'heure, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problématiques qui sont juste phénoménales dans cette fracture numérique, et qui est une fracture totalement sociale. Donc, voilà les questions que je me pose. Nous avons proposé concrètement au chômage un centre de numérique pour répondre à ces questions-là concrètes sur le marché de l'emploi. Nous savons que l'hospice général a d'autres besoins. Vous allez dans les communes et puis c'est d'autres besoins encore. On parlait tout à l'heure des aînés. L'économie a un besoin de former des gens. J'ai l'impression qu'il va falloir à un moment donné qu'on puisse retrouver afin d'avoir des stratégies également sur le court terme, sur le moyen terme, et en intégrant les différents partenaires et les acteurs. Ça me paraît fondamental et urgent. Voilà pour ma conclusion. Merci beaucoup, Christian Lopez. Je pense qu'on va prendre votre intervention comme conclusion parce qu'elle a l'avantage d'ouvrir des questions. C'est vrai que l'idée, ce n'était pas d'avoir des réponses à tout ce matin, mais c'est plutôt d'ouvrir, de stimuler la réflexion entre nous tous pour essayer de mettre en place des solutions pour la population, effectivement. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Sandra pour la suite. Merci beaucoup pour cet échange. Donc là, nous allons illustrer cette synthèse de cette matinée avec Anne-Raphaël Sandoz. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donnez-moi quelques secondes pour connecter ma tablette graphique. Alors, j'en profite juste pour dire qu'il y a encore des interventions dans le chat et autres, et que non seulement les intervenants peuvent y répondre, il y a une question spécifiquement pour Christian Lopez, par exemple, donc vous pouvez prendre connaissance du chat, et surtout, on va pouvoir aussi relayer les questions dans le lien sur le site du Socialop que j'ai mis et que je remettrai dans le chat au cas où. Voilà, merci. Merci, Vincent. Ah, ça fonctionne. Alors, vous voyez bien le dessin ? Oui, très bien. OK. Donc, la transition numérique, le sujet de ce matin, exclusion ou opportunité, il y avait une forte tension entre ces deux thèmes. Je me permets de revenir à un moment un peu plus tôt dans la semaine où on s'était posé la question quels sont les jobs de demain, notamment les green jobs avec la transition écologique. Et du coup, ce matin, on répondait un petit peu déjà à cette question. On avait commencé avec Avenir Suisse sur un grand tour d'horizon, un 180 degrés entre
les années 1850 et puis les années de demain, cette première révolution où il y avait eu une perte de 45% d'emplois, mais qui avait été compensée par l'innovation, d'où le slogan de l'intervenant, l'innovation garantit l'emploi. Et maintenant, on vit cette deuxième révolution aujourd'hui avec le numérique. Donc, il y a non seulement un changement de transformation des modes d'emploi et des tâches, mais un rééquilibrage entre vie professionnelle et vie privée, de nombreux autres changements que je n'ai pas eu le temps de tous noter. On note qu'il y a des métiers peu qualifiés qui restent d'actualité. Ce sont ceux qui sont non répétitifs et à composante sociale. On avait cité ces deux exemples du nettoyage et du coiffeur. Et on s'était penché aussi sur les spécificités suisses d'une économie secondaire et spécialisée. Avec, ici, on a la chance d'avoir une stabilité de l'emploi où le CDI reste la norme. Et puis, contrairement à ce qu'on peut penser avec les problèmes d'emploi des seniors, on travaille quand même de plus en plus et de plus en plus vieux. Toujours dans ce constat un peu global, avec la HTS, on avait d'abord parlé des chiffres avec Oseo, qui était parti en guerre contre les idées reçues et qui, grâce à un sondage réalisé ces derniers mois, nous a permis de réaliser que 13% du public des services sociaux n'ont pas accès à un smartphone, 40% n'ont pas accès à un ordinateur. De 60 à 80% selon la tranche d'âge n'ont pas accès à une pièce calme et 50% déclarent manquer de compétences pour l'usage du numérique. Donc, on a un constat très clair d'une fracture numérique, et la fracture numérique, elle est en réalité une fracture sociale puisqu'on a des conséquences sur toutes les activités du quotidien, que ce soit pour la vie culturelle, sportive ou professionnelle. Et on avait aussi souligné ce public un peu plus fragile, qui non seulement n'a pas forcément accès à la langue locale française, mais n'a pas non plus accès à ce langage du digital. Après ce constat chiffré, on avait une approche qualitative du côté de la HTS, qui nous a introduit une nuance dans cette définition de fracture numérique. Il y a non seulement la question de l'accès, qui est due principalement aux inégalités de conditions de vie et qui n'est pas forcément uniquement un problème individuel, mais peut être aussi abordé d'une manière structurelle. Et puis, cette deuxième fracture qui est celle de l'usage. Un usage extensif pour les classes favorisées, mais très restreint pour les classes populaires, qui notamment va éviter tout ce qui est texte, va préférer le tactile, va s'exprimer à travers des images de préférence et utiliser les réseaux sociaux comme Facebook pour le lien familial et non pas pour étendre son réseau comme on le fait dans d'autres classes sociales. On avait ensuite fait un focus sur le public de l'aide sociale à Genève, avec du coup ce profil type, une majorité sont des familles monoparentales qui vivent dans un appartement, qui partagent leur connexion, qui ont un smartphone et un abonnement. Et sur le cas de focus aussi sur le cas de Carouge, avec ce type de comportement où on préfère aller au guichet par besoin de contact social et où il y a un manque de confiance et du stress avec l'usage en libre service du scannage des documents. Donc encore des mises au point à faire pour cette numérisation des services. Et la conclusion de notre intervenant sur l'opportunité numérique, oui, mais attention à l'inclusion créative. Et ensuite, après ces constats, on avait des propositions de réponse par les deux associations Réalise et 42 Lausanne. Et donc, Réalise nous a présenté les opportunités d'emploi. La pénurie actuelle de 7000 informaticiens CFC, par exemple. Je n'ai pas noté le chiffre exact du besoin futur en spécialistes numériques. J'ai retenu que c'était de l'ordre d'une centaine de milliers,
Je regarderai la présentation d'intervenant après. Realize nous a aussi rassurés sur l'existence d'emplois qui sont accessibles aussi à des publics moins diplômés, en mettant l'accent sur les compétences soft, la capacité à collaborer, la passion et les autodidactes. Donc vraiment un focus très fort sur la motivation qu'on retrouve d'ailleurs dans le discours de 42 Lausanne, ainsi que les partenariats avec les entreprises et un lien très fort et direct entre l'économie et les formations offertes par ces associations. Les métiers de demain seront dans le data, dans la cybersécurité, dans la transition écologique. Et on avait noté aussi que l'avantage du langage informatique, c'est qu'il est universel. Ou alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas le français, ces métiers demandent davantage la maîtrise de l'anglais. Realize a aussi attiré notre attention sur privilégier la pratique au diplôme, ce qui rejoint ce qu'on disait sur la motivation et les compétences, de ne pas former des hyper spécialistes, de faire attention à la diversité, le problème des femmes dans de la technique, les seniors aussi, toujours sur la question de la diversité, et maintenant on a plutôt tendance à agir après coup quand les gens sont déjà en difficulté de recherche d'emploi. Et Realize nous proposait de réfléchir un peu à comment agir en amont pour éviter le problème. Pour finir, 42 Lausanne, on avait commencé avec cette vidéo du combat digital illustré par Star Wars. Et la conclusion, c'était, oui, c'est vrai, il y a une compétitivité, mais ce qui compte, c'est le collectif et de gagner ensemble. Sur la question de la diversité, on était rassurés par l'état d'esprit de 42 Lausanne qui a permis de passer à 13% de candidates féminines à 47% cette année. On nous a présenté un modèle d'école très novateur, très spécial, sans prof, en présentiel, en contact avec l'économie, gratuit, ouvert à tous ceux qui sont motivés, très motivés puisqu'il y a une sélection de 10% des candidats et un rythme souple qui s'adapte à chacun des 250 étudiants qui sont accueillis chez 42 Lausanne. Alors, j'ai gardé 4 de toutes les compétences qui ont été présentées, le travail en équipe, la stratégie d'apprentissage, rigueur, persévérance et la résilience. Les débouchés chez 42 Lausanne, 100% d'emploi, et puis soit le salariat, la création d'entreprise ou éventuellement des stages de réinsertion. Ensuite, le débat avait porté sur la délocalisation qui inquiétait certains invités. La réponse de Christophe, c'était qu'il n'y avait pas le choix faute de ressources locales et que dans le futur, l'agilité nécessite la présence et que ce n'est pas un point inquiétant. Cette association a donc rappelé qu'ils n'avaient pas vocation à s'occuper de l'accompagnement individuel et que les institutions partenaires étaient là pour ça. Et enfin, la dernière remarque d'aujourd'hui, c'était, donc on a quelques réponses sur le long terme, mais comment est-ce qu'on répond à l'urgence de maintenant? Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Anne-Raphaël pour cette belle synthèse, cette synthèse imagée. Nous tenons avec mes collègues à remercier tous les intervenants pour la qualité de leur présentation et des éléments apportés. Merci au public pour sa participation active qui a permis de nourrir et enrichir les échanges et les réflexions. Vous pouvez continuer cet après-midi sur le thème de l'emploi, actualité et perspective, et nous poursuivons demain sur l'accompagnement social dans un contexte de la transition numérique où Eva Nada sera également présente. Je vous remercie tous. Merci aussi à mes collègues Vincent Delorme et Géraldine Ruffner pour m'avoir accompagnée également durant cette matinée. Voilà. À bientôt. Merci encore à vous tous.